stage is reporting ready for launch. C'est Crayon, c'est Magic Ennis, c'est Paganouf, c'est Caporal Honneur, comment allez-vous? Attendez, merde, permission. Pourquoi les touches de scraver elles peuvent écrire? Alors. Salut Polyum, c'est HK Siro, c'est qui AP264? Attends, il faut que je supprime les messages que vous avez mis, putain. Non, faut Skyblock, bonnet trou du cul. Merde, attends, j'ai fait expulser. Attends, comment comment supprimer un message? Aïe ça. Putain, j'ai fait bannir le supprimer un message. Yes. Pas contre vous, hein, c'est juste pour que le channel soit, soit clear. Alors, hop. Dites-moi si vous pouvez encore voir quand même. Normalement, vous pouvez encore voir. Tac, tac, tac. Je vais vous balancer l'IP. Hein. Vous en faites pas. Vous en faites pas, vous en faites pas. Alors, je vais supprimer mes messages. Tac. C'est long à faire, hein, par un. Hein. C'est long à faire, hein. Faut pas croire. Putain. Bon, on est good. On est good. Non, il reste encore des messages supprimés. Saul. Comment je supprime ces messages de merde à Blacky? Voilà, on va juste laisser son gif à la con.
Ok, on est type par. On est type par, on est type par. Alors normalement mon jeu n'est pas du tout capturé, c'est normal. Vous en faites pas. Select option. Voilà! Voilà, alors par contre, il va falloir modifier plein de trucs. Il va falloir modifier la webcam. La webcam, on va la mettre genre là. Le texte, on va le mettre genre là. Voilà. Et l'IP, on va la balancer. Alors, info Skyblock. Adresse IP. Alors, non, c'est pas ma chaîne Twitch. Merde, après, il faut que je la recopie. Ah mais il faut mettre les majuscules Blacky je crois. Dans le doute prenez mon adresse hein, avec les mages, ce sera mieux. C'est Fringoyalo, fait c'est méga gâche. C'est Mangue Fruit, c'est Sol, c'est Schmitarius, c'est Trakasama, c'est Kawi, c'est du Coulommiers, c'est Tsukarive qui arrive. Hop! Bon j'ai déjà créé mon île, alors j'ai rien fait dessus, hein. J'ai juste fait le Sage Island Create sans voir si ça marchait. Comment ça tu te tues lui? Comment ça tu te tues lui? Comment ça tu tues? C'est quoi l'IP? L'enculé! Allez, sur le. Ah putain, attendez, faut que je change. Ah! On va mettre ça plutôt là. On va mettre en plein milieu en vrai, hein, l'alerte. Nique, hein. Ouais. En fait, pourquoi j'ai mis la cam un peu plus basse que d'habitude? Parce que normalement, il y a des informations en haut à gauche de l'écran, donc c'est pour ça. On peut désactiver, hein, mais on s'en. C'est Kaishi, comment as-tu? Comment as-tu? Comment as-tu? D'ailleurs, en fait, pour une exclamation serveur, il y a un U, mais normalement, il n'y a pas de U hein, à serveur en fait. Serveur, c'est sans U. Serveur avec un U, c'est genre le serveur dans un bar en fait, non? Je sais pas. Je sais pas s'il y a un U à serveur. En fait, sans U, c'est en anglais, mais est-ce qu'en français, un serveur, il y a un U? Y a personne qui a dit sur le Vanilla du coup. Bon, on sera plus grand monde là-dessus, hein, tu sais, tu me diras, mais. C'est Kélias, comment as-tu? C'est pas du tout long et chiant à se connecter, hein. C'est pas du tout long et chiant à se connecter sur notre pack. Pas de problème. J'espère qu'il n'y a pas de reboot toutes les 2 heures hein, parce que nique sa mère. Hein. Pro tips avec l'arbre, ne descendez pas par le milieu. Ouais. Ah ouais. Attends, faut que je change de game mode moi. Game mode 0. Ah putain, mais j'avais pas de bouffe parce que je m'étais fait carotte le cul. Parce que j'étais tombé dans le vide. Hein, et j'étais remonté. Voilà, je vais prendre 15 de pain. Comme je dis, prenez une quinzaine de pain quand vous vous connectez. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais j'allais pas faire un spawn de merde, de toute façon, on va jamais y aller! J'ai juste fait un truc à la con. En fait, le problème, c'est qu'il y avait spawn protection, sinon on pouvait pas ouvrir. Vous pouviez pas ouvrir le coffre. Putain, c'est de la vie, toi, ce truc. C'est pour ça? C'est pour ça. Donc, j'ai mis différents petits panneaux histoire d'expliquer un petit peu comment fonctionnait le truc. Donc, le Sash Island Create, etc., etc. Les différents biomes que vous pouvez choisir de départ. Voilà, les trucs pour inviter. Ça va, il y a l'anglais, ça va, il y a le français. Ok, ça roule. Et moi, de gratter une place sur le serveur en tant qu'ami. Ah, ça serait faire du favoritisme. Ça serait faire du favoritisme. Y'a ta Twitch Prime en plus que Sumchi. Par contre, je passe à Shylon. Ça fait rien. Comment ça fait rien? Comment ça? Ah si? Comment ça Shylon, ça fait rien? Attends, si t'es DOP, tu ne peux pas faire ça Shylon? De conneries. Impossible. Impossible. Impossible, impossible. Ah, impossible. Attends. Et si ça marche? Ah bah, vous foutez de ma gueule aussi. Apprenez à écrire. Ça met même pas de message d'erreur. Ouais, non, mais ça désactive le chat aussi, fais un effort. Ouais, pour le coup, moi ça marche, je suis pas OP, j'y suis pour rien. Hein. T'as bien écrit Island, genre avec un S. Hein? On me prononce pas. Hein? T'as bien écrit slash Island dans le E. Mais d'accord. Comment il est monté là-haut lui, ce truc du cul? Comment il est monté? C'est pas Sash Island tout court. Non mais en fait, j'ai oublié Create aussi. Alors en fait, vous avez le Sash Island pour avoir toutes ces informations. Et le Sash Island espace Create pour pouvoir créer un truc quoi. Peut-être faire une collaboration avec vous. Merde.
non. Non. Flash Island, voilà. On m'a écrit HL. Bon. Le Nitor de Tomcraft. C'est pas le Nitor de Tomcraft. Il y avait un Nitor de Tomcraft, c'est pas un Nitor de Tomcraft, c'est un truc chelou de Ember. J'ai tapé Light. J'ai tapé Light ou j'ai tapé Lump? J'ai plus, je vais taper. C'est ça. C'est les Glimmer Lump. Alors, je sais même pas comment ça se craft. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est trop stylé parce que ça envoie une boule qui se pose contre un mur. Donc voilà. Donc en gros, pour ceux qui découvrent les Skyblock et tout, pour ceux qui savent pas comment en faire, faites Flash Island, vous avez la plupart des listes. En fait, vous avez. Est-ce que déjà vous voyez bien le chat? Oui, vous voyez bien le chat. Vous avez la liste en fait de toutes les commandes. Vous avez différentes commandes. Vous êtes déjà le Slash Island Create, qui est la commande de base qui permet de créer une île. À savoir qu'il y a différents biomes. Bien des grosses guillemets sur biome parce que c'est pas un biome genre désert, machin, tout ça. Ça n'a rien à voir avec le biome. C'est juste des starts en fait, c'est à dire qu'il y a différents biomes, il y a grass, wood, sand, etc. En fait la seule chose qui va changer par exemple, si jamais vous faites le slash island espace grass, vous allez spawn sur le truc de base, c'est à dire un tout petit peu de dirt, un arbre et voilà. Alors par exemple si vous faites le slash island create magma, vous allez spawn sur un truc avec de la lave, avec plein de choses différentes. Et en fait ce truc qui va changer c'est comment avancer au fur et à mesure au début. Par exemple sur le magma, si vous faites de la merde avec votre bois, vous n'allez pas pouvoir en avoir. Avec le biome de snow au départ, il va falloir faire une ferme à mob et tout avant de pouvoir avoir du bois. Donc voilà. Donc les plus faciles, franchement, c'est les gog, c'est le gog. Et grâce à leur gog, c'est quoi? C'est. Truc off. Je sais plus c'est quoi. C'est pas les chiottes, hein. attends. Modern Skyblock 3 Starting Island. J'avais vu ça tout à l'heure. Hein. Garden of Glass. Voilà. Gang of Gamer, hein, c'est ça. Le jeu se lance grande avance, c'est cool. Nice! Merci Tomeric pour le follow. Bien à toi et merci Stella, Drefania. Bien à vous deux. Tomcraft, tellement mieux. Non, le Nitor, en fait, je sais pas, je trouve ça fun. J'avais mis le Nitor à la base, mais je trouve ça fun l'animation que ça faisait. Donc voilà. Donc voilà. Donc en gros, il y a ça, il y a Slash Island Create. Si vous voulez jouer à plusieurs, bah, vous créez votre île. Ensuite, vous avez le Slash Island Invite pour pouvoir inviter les amis. Ils ont plus qu'après à faire Slash Island Join pour vous rejoindre. Et puis, et puis voilà. Après, Slash Island. Spawn, ça permet de revenir au spawn, voilà. Slash Island Home, ça permet de revenir à votre home, donc à votre île. Si jamais vous êtes à plus de 500 blocs, normalement, si je dis pas de conneries. Teleport back to your home island, must be at least... Voilà, ok. Donc en gros, c'est faut être à plus de 500 blocs de son île. Donc si vous êtes sur une île voisine, vous pouvez faire un slash home, enfin un slash island, espace home, pour pouvoir revenir chez vous. Mais si vous êtes à 10 blocs de votre spawn chez vous, ça marche pas, hein, faut pas déconner non plus. C'est bien Zidane, c'est grave bien. C'est grave bien. Enfin bref, moi j'ai créé mon île, donc moi en fait, moi j'ai fait slash island, espace... Create espace grâce pour mon truc. J'ai déjà créé donc c'est 5 joueurs face. Et voilà. Donc ça c'est l'île de départ. C'est vraiment the truc basique du cul. Hein. C'est-à-dire que vous avez un arbre, vous avez un petit peu de dirt en dessous. Et voilà. Et voilà. Et alors ouais il y a Slash Island Visit aussi. Si jamais vous voulez aller voir chez les autres. Par exemple, bon bah là je peux pas aller voir chez Blackie parce qu'il n'y a pas chez Blackie. Hein. Et vous m'avez compris. Je peux aller chez qui? Tiens, il y a qui a écrit son île hein. Pas mes sneaks pour faire pousser les arbres qu'il n'y a pas. Ouais voilà. Alors après vous avez votre bouquin de quête hein, de toute façon. Alors normalement vous pouvez rebind aussi dans vos contrôles pour bind le bouquin de quête. Je crois que c'est bind de base sur Z. Donc vous faites bien vos binds. C'est le truc chiant ça. Et normalement il y a la touche G. La touche G qui est très importante, c'est le guide de départ pour les modernes Skyblock, enfin pour les Skyblock, qui vous explique vraiment les bases. Comment faire. Alors c'est en anglais, les anglophobes, bah niquez-vous. Mais voilà, là en fait là vous avez le tutoriel pour les différentes îles. Par exemple, si vous êtes sur la Grass Island, comme moi, vous cliquez là-dessus, ça vous téléporte directement ici. Tout ça c'est pas pour vous. Ça c'est pour les autres îles, vous en battez les couilles. Enfin du moins pour l'instant. Ça servira un petit peu après mais pas pour l'instant. Voilà au début. Voilà, ça vous dit mais je... Voilà, ça vous explique tout le truc en fait, tout ça. Simplement. Voilà, ça vous montre comment avoir de la dirt pour le départ. Le classico quoi. Bon je dis ça, je sais pas comment on a de la dirt hein. Attendez, comment on a la dirt du départ? Pêche. Ah oui, c'est avec les trucs de combustion, il faudra des plantes mateurs. Bah de toute façon, on va avancer au fur et à mesure des quêtes aussi. Hein. Il y a les quêtes de départ qui vont nous dire comment tout ça fonctionne. Au début, ça demandait d'avoir de la dirt, donc on prenne de la dirt et d'avoir une sapling. Après, on va avoir différentes petites choses, les plantes mateurs pour choper de la flotte. Walou walou quoi. Oui, c'est une pomme. Ah parce que putain, il y avait des feuilles qu'on despawn sur les côtés. Au secours. Au secours, il y avait des feuilles dans les coins qu'on déjà despawn. Nice, le Linuxien est là. Nice. C'est quoi le but? C'est un skyblock en fait, c'est un skyblock, on commence avec presque rien et le but ça va être après d'avancer quoi. D'avancer. Au début tu commences à presque rien, puis après quand tu regardes les quêtes, crois-moi que t'as différentes choses bien sympathiques. Donc voyez, donc en fait de toute façon au début on va chercher à récupérer des ressources, du bois, tout ça, replanter en boucle. Après on va pouvoir faire nos premiers outils quoi. Faire de la cobble, faire plein de petites choses. Ça ressemble un peu à Modern Skyblock 2 hein, dans le principe, hein. Je sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on avait fait.
Avec le Combustion Engine et avec tout ça, c'est sympa. Ouais, je pense qu'on va faire assez vite une ferme à mob. Toute petite, hein. Toute petite, juste un spawn de mob assez loin pour aller buter, pour avoir de la gunpowder et pas mal de choses sympathiques. Et voilà. Après, il faudra faire un freezer pour avoir de la neige, pour pouvoir faire de la soul sand, de la netherrack, pour pouvoir faire la combustion. Putain, je me souviens. Mais en fait, c'est cool parce que ça ressemble un petit peu à l'époque, mais je pense qu'il y a différentes choses. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont dû changer. En espérant que ce soit pas exactement le même modpack que j'ai déjà fait. Mais c'est moi, c'était Modern Skyblock 2 que j'avais fait, hein, je suis sûr. Ça me dit. C'était pas exactement comme ça. Je crois que ça ressemble quand même. Hein. Ça se trouve, c'est celui que j'ai déjà fait. Hein. Non, c'était un poil différent quand même, non? Putain, je sais pas. J'ai un doute si je l'ai fait ou pas. Non, 100% non, il était différent celui-là. Celui-là, il était différent, il était pas comme ça. Il y avait beaucoup plus de choses sur Botania. Ça me dit rien. Celui-là, il était différent aussi. Non, normalement, je l'ai pas fait. Oh, puis il y a tellement de modes. Vous voyez, vous avez grave le temps. Franchement, il y a plein de choses à faire. Là-dessus, il n'y a pas de soucis. C'est combien de blocs pour que les mobs spawn passifs spawn normalement? Ah, de quoi les blocs passifs? Genre les. De quoi les blocs passifs? Les mobs passifs, tu parles de. Les petites merdes? Les moutons, trucs comme ça? C'est surtout sur de la grâce, déjà. Mais voilà. D'ailleurs, j'ai un chêne et un acajou mélangé sur mon île, je sais pas pourquoi. Yes! Il y a même trop de mobs pour mon petit PC. Oui, c'est un mob. Alors, c'est un mob pack assez gourmand pour être lancé. Après, une fois en jeu, il consomme zéro ressources. Une fois en jeu, il consomme zéro ressources parce que bah, y a rien à charger en fait. Donc ouais, c'est un modpack un poil gourmand peut-être pour la petite machine, mais. Bref! Voilà pour l'instant la strat, c'est de récolter un maximum de feuilles sans les faire tomber. Limite celle-ci, je vais attendre un petit peu pour les récolter parce que ça partira dans le vide. Je cherche la merde. Alors aussi! Important à savoir, si vous tombez dans le vide, vous ne tombez pas vraiment dans le vide, enfin, vous êtes re-TP en gros au-dessus d'une plateforme et vous retombez un demi-cœur. C'est important à savoir. Alors, si vous n'êtes pas full live, vous mourrez, mais au moins vous ne pouvez pas perdre votre stuff dans le vide. Comment ça, il y a tout qui a des pop? Ah merde! C'est bon ça ou pas? Oui! Oui. C'est en tech, comment as-tu? Comment as-tu? Et y a l'escavate aussi. Important à savoir. Genre là, on évite de faire un escavate. Genre, ah putain, y a pas un coffre là-dedans. Ah la carotte! Y a pas de coffre. Comment je pourrais agrandir mon île en vrai? Pas rien que j'agrandisse mon île. Là, pour l'instant. Si je pourrais l'agrandir avec du bois, mais il faudrait que je fasse des slabs. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite table de craft. Alors je sais même pas tant si j'ai la quête de confirmer. Il faut de la dirt. Erreur chez moi, j'ai eu le petit. Ah. Attends, mais du coup, en récompense, j'ai rien eu en fait à part un message dans la console. C'est juste pour me débloquer la suite, non? Ouais, c'est pour me débloquer la suite. Ah non, putain, ça c'est les. C'est pas ce que tu veux débloquer ça? Ah si, en gros, ici ça te met tout ce que t'as et après. Non, je sais plus comment ça marche. Wesh. Wesh. Comment ça fonctionne cette connerie déjà? Comment je débloque le basic truc? Il faut Kitchen Sink Mode. Basic ressource. Kitchen Sink Mode. Mon jeu qui a freeze. Oh! Ok. Ah putain! Mais non, mais attends, ça c'est pas la difficulté? Genre c'est plus long? Je crois que j'ai pris le plus hard, non? Ah non, tu peux jouer à travers n'importe quel truc. Ça en gros, ça veut dire que je peux débloquer ce que tu veux. C'est le plus facile. Bah en soi, tant mieux, non? Pas. En vrai. En vrai, je m'en bats les couilles. Ça peut rester plus facile. En soi, c'est pas grave, je fais quand même dans l'ordre, tu vois. Milieu, c'est moyen. Entends pas ton micro. Bien sûr que si, on entend mon micro. Bien sûr que si, il y a mon micro. Attends, comment on reset le bouquin?
Slash BQ admin MCIK. Ah! Pas du tout. BQ, slash BQ underscore admin. Yeah. Ah, peut-être des lettres. Hein. Peut-être des lettres. Hein. Non, reset. Hein. Ah, c'est all, je crois. Mais en fait, si je fais all, hein, ça va me niquer moi ou ça nique tous les joueurs? Souris, notre souris. Hein. Yes. Promis, j'ai rien fait. Promis, j'ai rien fait. Donc en fait, il fallait que je mette mon pseudo après le reset. J'ai spécifiquement dit dans le truc de pas le faire. Ok, bon, moi j'ai dit de pas le faire. Do not run BQ reset all. Ah ouais. Ouais. Ouais, non, c'est règle comme ça. Et à quoi ça dit, tu l'as où en fait? Ah, passe en cœur sur dessus? Non, puis on va. Ah, ça va, c'était un prank. Et pourquoi j'ai pas ma dirt? Je l'ai reposé. Oh, F3H. Ok. Ça roule. Ça roule. Mais écoutez, désolé. Et donc ça, en fait... Hein, Ah, ça, c'est mode par mode, ça. C'est un peu chiant, quand même. Non, bah écoutez, on va jouer au jeu, on va faire mode par mode. Donc en gros, ceux qui veulent pas faire mode par mode, ceux qui veulent avancer tranquillement, prenez pas ce que j'ai pris, prenez le token à gauche. Hein. Si jamais vous voulez pas faire tous les modes par mode, partez à gauche. Hein. Et d'ailleurs, attends, pourquoi j'ai ça en fait? Là, j'ai quoi en récompense avec ça? Faire les games qui ressortent, c'est une pression. Ok. Ok. Quoi ça? Profit. Bon, mais alors j'ai pas de place moi. Je suis sûr je peux pas le récupérer. Non mais c'est 100% sûr je peux pas le récupérer, c'est un pickaxe. Yes. Bon bah écoutez, on aura plus de trophées. Ou alors je reset ma quête. Bon c'est pas grave. Tu peux récupérer l'item dessus non? Ah je pouvais récupérer l'item dessus. On prenait toujours. Hein. Et par contre, on va tester. Donc là, par exemple, si jamais je veux reset les quêtes que j'ai fait. Par exemple, si jamais je reset ça. Je fais comment? Je fais slash BQ admin underscore reset espace hashtag 583. Ça pour donner les items. Ouais, ouais d'accord. Si je fais un slash underscore slash BQ admin underscore, enfin, underscore admin reset hein, hashtag 583. Username ID. C'est North Strike. Donc là par exemple j'ai regardé ma quête. Et là c'est à 860. Voilà. T'as pas besoin. Oui non mais c'est juste pour le feu. Enfin c'est juste pour comprendre en fait comment ça marche. Ok. Et là j'ai mes trophées. Ok. Ok. Ah bon. On peut jouer. Alors. Qu'est-ce qu'on a comme quête pour le départ? On a différents petits endroits pour voir lesquels partir. De toute façon, en fait, on a deux trucs. On a soit le basique de tinkering, tout ça, tout le truc de tinker et tout. Donc, ça, on connaît. Hein, les drying racks, le barrel ou autre, ça, on connaît, on sait comment ça fonctionne. Après, il va falloir qu'on. En fait, pour tinker, pour le départ, on va faire une toute petite forge avec de la porcelaine et tout. Mais ça, on verra ça par la suite. Oh, yeah. Du coup, comme ça, c'est fait. T'es le fier. Merci beaucoup, Keishi. Merci beaucoup pour ton sub. Enfin, pour ton restop, du coup. 7ème mois. Merci beaucoup.
Je me suis vu quoi, mais je suis toujours pas quoi. Ah, j'ai mis 5 minutes à me connecter, moi, Blacky, sans savoir, t'en fais pas. T'en fais pas, t'en fais pas. Alors, c'est quoi qu'on a comme quête ici? Ça, c'est les quêtes de Mob Farm. Ah putain, ça, qu'il y a les loot chests, avec des récompenses complètement cracos. Ah, mais attends, c'est pas sur ce serveur-là que t'avais full récompense. Par exemple, tu peux choper un looting 10 dès le début ou un truc comme ça? Dans les reward bags sur les mobs, je crois que c'est ça. Ouais, donc ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le plant matter. Je sais plus ce qu'on peut faire exactement avec le plant matter, mais je sais qu'il nous intéresse. Et Water Extractor qui me permettrait d'avoir de la flotte en fait. Donc voilà. Donc plant matter. Plant matter en gros, il se fait avec les saplings, avec les feuilles, ou avec n'importe quel truc à la con, vous pouvez voir là, ou même avec de la sawdust. C'est pas sympa à faire après pour la suite. Et ça va vous permettre après de par exemple avoir du charbon, si jamais on le fait cuire, mais surtout ça me permettrait d'avoir plus de dirt hein, avec la combustion. Et pour l'instant, nous ce qui nous intéresse, ça va juste être à agrandir l'île avec le bois. Donc pour cela, hop, on va faire une petite table de craft. Et on va faire des planches, enfin des demi-dalles. Est-ce que je fais la strat du cul où je mets tout une demi-dalle en dessous pour pas que ça spawn hein? En fait, est-ce que je prendrais pas la dirt déjà et je mettrais pas au niveau de la bedrock? Ou alors non, je laisse la bedrock en dessous. Parce que la bedrock c'est quand même sale, hein. J'ai pas envie d'avoir de la bedrock dans la base. Juste me mettre là, à ce niveau là. Je vais pas mettre au niveau de la bedrock parce que c'est quand même sale. Ah ouais, mais après j'aurais pas de repère par rapport à mon spawn. Je laisse la bedrock ou je laisse pas la bedrock? En vrai? Non, je laisse pas la bedrock, nique ça. Ensemble, je vais faire le contour. Je peux casser de la bedrock avec Blood si ça gêne. Ok. C'est quoi l'IP du coup? Toutes les informations sur le Discord, Kaichi. Juste que t'es ton. Ah! Alors ça c'est chiant. Attends, il prend 100 et c'est ça comme ça. Je suis un beau chelou. Juste que t'es ton compte de Link en fait. Ton compte Twitch et ton compte Discord. Hop. Ok. Bon, bah, va falloir planter de l'arbre. Hein. Va falloir planter de l'arbre. Hein. Est-ce la bedrock sandal, ça spawn pas dessus? Ah ouais? Ok. Dans 2 heures quoi, vu ma chance. Pourquoi? Pourquoi Kaichi? Non du tout. Du tout. Je sais plus comment ça marche. Ah si, c'est comme ça. Ouais. Au full sneak. Hein. Garde de l'herbe. Ouais, je vais peut-être laisser un truc. Petit bag time. Le Cosmitarius. La portée de 4 blocs environ. Reste sneak. Non, ça marche pas, reste sneak. Il faut vraiment spam sneak pour que ça pousse. Putain, mais il est long. Je vais pas pousser là. Ah bah attends, mais si je vais pousser là, je vais faire. Ouais, non, je vais faire. Ouais, c'est pas grave. Faut mieux que je fasse pousser à côté sinon je vais me faire carotte l'herbe. Royce. Alors, normalement si je fais ça. Non, c'est plan cul si j'ai scavate là-dessus. C'est plan cul parce qu'il y a moitié de mon truc qui va tomber dans le vide. On va faire à la main. Je vais niquer la. Ah, quoique j'ai une feuille au pire en rab. Ouais, mais bon, si je peux, voilà. Au moins j'ai 2 feuilles en rab, comme ça j'ai une feuille de secours. 3 feuilles même. Et les feuilles, faut pas oublier que ça va me faire de la plante matter, hein. Donc il va vraiment en farmer à fond des feuilles. Hein. Bon, ouais, c'est pas grave. Escalate les feuilles puis le bois. Ah, attends, ah, mais c'est vrai que quand t'escavate, ça te. Ouais, ok, ça drop là où t'es. Ok, non, j'avais peur que ça droppait n'importe où. Non, ok, c'est bon. Quand t'escavate, ça drop là où t'es, donc ça va. Attends, c'est moi ou j'ai pu escavate sans avoir d'outils à la main? Ah, oui, tu peux escavate sans avoir d'outils à la main. Même d'item. Hein. Ah, ça c'est bien ça. C'était pas le cas avant. Oakshore, je suis co, yes. Nice, Lucky. GG. Bon achievement. Alors, c'est pareil, il y a des petits trucs là-bas. Ça, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est les aura nodes. Enfin, non, attends, c'est pas les trucs. Oh, je sais plus ce que c'est. Je sais plus quoi ça sert. C'était le cas dans le 2, juste pas dans Sky, dans Stunblock, je crois. Ok. Premier loot des speed upgrade. Yes. Nice. La dernière fois ça avait mis 2 heures à Link. Non, mais juste tu dis une fois que t'es sur le Discord et tout. Et je peux forcer la synchro, Kaichi, si tu veux, y'a pas de soucis. Je vais forcer la synchro d'ailleurs. Le serveur est vers 24, oui.
Merde, je suis pas dans les bons paramètres. Alors, ici ça va, tac tac tac, paramètres du serveur, tac tac tac. Intégration, synchroniser, forcer la synchro. Voilà. J'y suis. Normalement c'est bon, normalement t'as toutes les infos dans le channel. Hein. Hop. Vous voyez, je rebouge ça, histoire que ça soit plus propre en fait. Bon, ici ça va être là, on va garder de la grâce pour le départ. À l'arrière, après, en fait, quand on va grandir, on pourra mettre plusieurs. En fait, après, là, je vais faire une assez grande plateforme dans laquelle je pourrais mettre pas mal de dirt. Hein, pouvoir. Ah, mais attends, la dirt. Ouais, non, c'est bon. Pour pouvoir faire plusieurs arbres, en fait. On va vraiment agrandir la plateforme pour le début. Ensuite, je pense que je ferai une petite plateforme un peu plus loin avec tout ce qui va être un petit peu les métiers. Enfin, les métiers, les outils et tout. Et après, on fera une usine à mob beaucoup plus loin. Tout petit truc, quoi. Tout petit truc. Hein. Hop. Hein. Bah du coup. Tiens, pourquoi je suis considéré comme sub sur Discord alors que je suis plus ici? Parce que normalement il y a un moment de grâce en fait, remember. Je crois que ça reste un peu plus longtemps sur le truc. Pour éviter qu'en fait du jour au lendemain ça vous empêche de pouvoir jouer comme ça. C'est tout, c'est tout. Bif. Les trucs chelous, c'est les Chaos Nodes de Silent Gem. Oh. C'est vrai qu'il y a Silent Gem aussi, putain, mais il y a trop de trucs cool en vrai sur ce modpack. Il y a trop de trucs cool. Je vais garder un peu de bois. En vrai. En vrai, pour l'instant, je vais juste agrandir la plateforme. Là, on a du combien? On a du 3. Ici, 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 on a du 3. Peut-être agrandir à 4x4 de partout. Déjà. Mais attends, mais c'est vrai que c'est pas centré en fait. Attends, je dis on a du 3, mais en fait c'est plus grand par là-bas. Ici on a déjà du 4 en fait. Bon, mon bloc central c'est celui-là, je pense. Je me fais par rapport au bloc de grâce hein, pour le centre. Hein. Donc en fait, ici on est déjà en 4. Par contre, ici on est en 3. Deux pour désactiver le cheat, hein, vu que je suis OP. Moi j'ai pas eu besoin de désactiver, mais sinon c'est ici. JEI config et cheat mode à false. Putain, j'ai failli avancer dans le vide. Le stuff se clean quand tu slash Iron Create. Hein. Bah. Tu slash. Et ensuite. Ah. Ouais, voilà. Prenez le pain. Créez votre île avant de prendre le pain. Vous pouvez faire slash Island Space Spawn hein, pour revenir. Ça laissera des chances aux autres d'en avoir. Normal pour éviter du pit stuff, ouais. Au pire, s'il vous remanque du pain au spawn, je vous en mets, c'est pas un souci. Ni point un problème. Tombé dans le vide, je suis full life. Comment ça? Le bloc central, c'est les moins 1000. 1000. Bon bah, c'est celui de gauche. C'est celui-là. Ah donc faut que je me centre par rapport à ça. Bah après au pire je m'en fous d'avoir des... Ouais quoi que. Ah bah si, bah je vais me centrer par rapport à celui-là du coup. Par contre attends, on en parle de ça ou... On en parle de cet arbre. C'est trop bien ouais, les arbres comme ça. Je trouve pas IP ça dans le Discord. Normal t'es pas sub. Donc en fait au final ici je suis à 5 alors qu'ici je suis à 3. Oh. Bon, on va refaire des slabs hein. On va agrandir de 2 par là. Un peu mon Nemesis de build avec les planches quand même, hein. C'est pas le meilleur truc du jeu, hein. C'est pas le meilleur truc du jeu. J'ai remis du stock de pain, nice black. Sérieux, bah oui sérieux, en même temps j'ai pas invité n'importe qui sur le serveur et puis si on commence après à être 80 connectés sur le serveur, ça tiendra jamais en fait. C'est normal que l'accès soit restreint quoi. Et ça permet de remercier les personnes qui me soutiennent aussi. Comment on fait pour aller plus de RAM à AMC? Faut que tu ailles sur Twitch. Tu cliques sur ta petite photo de profil. Tu vas dans paramètres. Ensuite, tu vas dans Minecraft.
Et tu descends, tu descends, tu descends, et t'as la mémoire dédiée, et tu l'augmentes. Ouais, j'ai vu HL, mais j'ai envie de te dire chais à ceux qui ont des rivières chez eux. Au pire. Non, mais on verra plus tard si jamais il y a des soucis. On l'augmentera plus tard si jamais il y a des soucis. Pour l'instant, on va pas se faire chier à faire ça. Bon, bah voilà! On commence à pas mal de trucs. Donc en vrai, la première quête demandait d'avoir des plantes mater. Donc on va faire la première quête qui demande d'avoir des plantes mater. C'est-à-dire faire ça. Bref. Quand tu veux pour détecter, frérot. Ok. Donc là, faut que je choisisse une récompense. Attends, comment tu fais pour choisir? Pourquoi je ne peux pas choisir? Ah si, c'est bon. Franchement, il y en a qui se plaignent d'avoir des speed upgrades. Hein. Mais je préfère voir ça qu'avoir des putains de poubelles, quoi. Ah bah écoutez. C'est joli, hein. Fait de la déco. Alors, en vrai, au moins, si jamais j'ai déjà, en vrai, si jamais des items qui me cassent les couilles, je peux les foutre dedans. Tu vois, si jamais j'ai un deuxième loot chest qui pue sa mère, je peux le mettre dedans, tu vois. Ça, y'a pas de problème. Hein. Merci Maeva pour le follow, bienvenue à toi. J'ai lancé avec que 3 Go de RAM, il va falloir modifier ça. Ah oui, ouais, tu m'étonnes. Et c'est Dema. Et merci Antoine pour le follow, bienvenue à toi aussi. La quête du Tinker aussi, c'est du loot facile. Bah, la quête du Tinker, c'est du loot facile. Water Extractor, c'est du loot facile. Enfin, quoi que c'est du compressé, donc c'est un peu plus chiant. Là, les Draining Rack, c'est du loot facile. La Tinker Table, c'est du loot facile. Tout ça, c'est. En fait, tous les trucs à base de bois, c'est du loot facile. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais. Ou alors, je commence tout ici. Et le bois, je le ferai plus loin, peut-être. On va peut-être faire ça. Je pense que je vais commencer à. C'est un peu ma plateforme principale. Je pense. D'après les prochains rewards, hein. Tu vas voir, tu vas être content des awards. T'as ça qui fait nuit, c'est chiant. J'aime pas à quoi ça sert. Ah, t'as une straw? Je sais pas. Drying rack, comment on fait les drying rack? Drying rack. Des slabs. Bah, c'est pas ce qui manque. Ça pour le coup. Alors, ça c'est pareil, en fait, c'est les drying rack. Le problème c'est qu'il faut les poser sur quelque chose. Et je sais pas si c'est posable par exemple sur une slab. Ah si. Alors dans le doute, il faudrait peut-être mieux que je pose la sable plus de haut. Quoi qu'en vrai, non en fait. Ou sinon après, je peux me faire une bordure pour pas tomber. Pour l'instant. Non mais, c'est quoi ça là? Ah putain, mais ça me fait chier de les avoir posés là et j'ai rien pour les casser, au secours. Et moi, je peux faire une pioche, même qui pue. Ok, je vais faire une pioche qui pue. Voilà, il y en a une qui est tombée déjà. Bon, y'a pas de problème. Ok, deux qui sont tombés. Allez, niquez-vous. Tu peux même le poser par terre, ça va? Attends, fais voir. Ah oui, tu peux les poser par terre. Bah, je vais poser par terre, on pose pas chier. Bah, si je fais un escalette là-dessus, non, ça sent le cul, on va les casser la main. La seule type qui tombe, quoi, bah, laisse tomber. Celle qui peut délaisser les items, elle tombe. Contre les autres, je récupère, quoi. Ça marche mieux avec 13, ah bah, ça. Voilà. Peut-être pas les mettre ici, Drying Rack, parce qu'en fait ici j'aimerais bien que ce soit un petit peu tous mes ustensiles, tout ça. Alors du coup je pense que ce que je voulais faire aussi c'est que ça, je vais pas le poser au-dessus. Je vais plutôt le poser dedans. Ah non, parce que ça spawnera aussi. Enfin, quoi qu'il arrive ça spawnera, mais au moins ce sera moins chiant peut-être pour torcher. Ou alors je fais ça propre, et sous chaque truc je pose ça comme ça. À l'arrière. On va faire ça comme ça je pense. Sinon ça peut pas me spawn dessus, hein. Je suis à 3 blocs hein, donc va pas y avoir de soucis. Et il faut de la Monster Jerky, donc ça, ce sera pour la Rotten Flesh. Après, donc en fait, je peux pas les faire pour l'instant. Donc, ça là-dessus, on est d'accord. S'il faudrait que je parte, c'est vraiment les Water Extractors, hein, ni plus ni moins. Enfin, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais refaire un arbre. Est-ce que je mets plusieurs arbres à pousser? Pose une dalle dessus. Ah oui, au pire, je peux faire comme ça. Bah. Faut pas que ça spawn. Wep, wep, wep. Donc, Water Extractor. Je sais que c'est simple à faire. Ah quoi que ça coûte quand même du bois en fait cette merde hein. Attendez, il va nous faire beaucoup plus d'arbres. Ah mais du coup, attends, tu m'as dit que ça avait 5 blocs de portée le truc. Si genre je mets de la dirt ici.
Genre je mets de la dirt ici. Je vais agrandir la plateforme encore. Je vais l'agrandir en longueur. Je vais pas aux devs qu'elle soit centrale, on s'en fout. Je vais l'agrandir. Je vais avoir décalé de 1 la dirt. Hein. Pas que les arbres se rentrent dedans et que je perde des feuilles. Un pommier que c'était pub. Non mais ça je sais, ça HL pour le pommier. Ça t'en fais pas, ça je sais déjà, j'ai fait sur Forever 100 mana. Hop. Normalement. Ah ça fait les deux. Ouais ça fait les deux, ça fait les deux. Ou alors c'est 5 de range. Ah c'est peut-être 5 de range en fait, mais en. Genre c'est 2 de rayon de chaque côté quoi. Ouais, je sais pas, bof. Bref! Le renoncer avec 7,3 Go alors que j'ai 8 Go. Pas si c'est le bon call ça. Je sais pas si c'est le bon bail de faire ça. Mais 4 pouces en carré ça fonctionne, non? Comment ça en carré? Colle l'œil après t'escalades les deux. En fait moi ce qu'il me faut c'est les feuilles, hein, plus que le bois même. Les feuilles c'est très important, c'est ce qui va pouvoir me faire la dirt et tout après. Les feuilles là, la plante metteur, mes couilles là, c'est très très important. Et je vais en avoir besoin de fou. C'est pour ça que j'espace un petit peu les arbres. Alors si j'ai colle j'aurai beaucoup moins de feuilles en fait. Ouais, mais l'arbre géant il aura autant de feuilles en fait. Et du coup, je vais perdre des pouces déjà. Ça serait même pas. Et le mode de merde? Non, juste ça n'aurait rien. Idoum. C'est ça avec tous les modes pack. Mon coquille. Comment tu joues s'il n'y a que du bois? Bah, après, en fait, tu peux faire plein de choses. Avec ça, tu peux faire de la dirt, faire du charbon. Tu peux tout faire. Des cactus, des slimes, etc. Tu peux faire plein de choses. En fait, tu vas pouvoir faire du diamant. Avec du charbon par exemple. Pourra faire de la redstone avec de la gunpowder, de la blaze. Pourra faire des graines avec du flint et des deadbush. Les oracles avec de la cobble et du blaze. La snow avec de l'eau. Voilà. Tu as le mode avec IMC. Oui, moi j'utilise pas. C'est ça clairement, c'est le truc que j'utiliserai pas parce que j'utilise jamais, c'est de la merde. C'est game breaker de fou en fait. Y a aucun intérêt en fait avec les jeux avec les IMC. Je pense que si j'ai un arbre à pommes, je vais le mettre par là-bas, en vrai. On va faire ça. Et les poulets, ouais, alors les poulets c'est un peu game breaker, mais c'est un peu fun aussi, donc après ça c'est un peu différent. Vais espacer un petit peu mon arbre à pommes, je vais le mettre par là-bas. Voilà, comme ça au moins, pas de risque que j'escavette les feuilles de l'arbre. On a combien? On a un truc... je vais foutre tout. Là. Non, si c'est réparé. Ou alors j'agrandis encore de 1. On va agrandir encore de 1. Pour être safe. Je vais pas le mettre à bord du vide non plus. Sinon je vais avoir toutes mes pommes que je vais choper en dehors du vide. Comme un pack, c'est Modern Skyblock 3. Hop. Et donc, avec mes poupousses et avec des pop-pommes, on va pouvoir déjà se faire un petit pommier. Ah oui, putain. Voilà. Pommier là, il y aura des pop-pommes dessus. Ça, on aura de la bouffe. Ah putain, il est haut en plus ce con. À 150, 50, 50. Eh, mais attends, j'ai full pomme! Putain, j'ai combien de pommes? Ah, ça marche là-dessus! Yes. Ouais, le starter bouffe. T'es peut-être pas obligé, hein. Ok. Bon, on a trouvé comment deny le truc de bouffe déjà. Hop. Alors déjà que j'ai 40 spots de pommes sur mon arbre, en plus je peux les faire pousser à l'infini quoi. Et après avec ces pommes là je pourrais faire 50 crafts quoi, ça qui est trop bien. Je pourrais faire du pont, je pourrais faire des salades de fruits, et rien que la salade de fruits ça va être très très simple à faire. Et je vais me faire de la clé en fait, les gars. La salade de fruits elle nourrit, bon c'est de la merde ce que ça nourrit, mais ça nourrit quand même beaucoup plus que de la pomme déjà. Après je sais que ce qui était sympa à faire c'était les potatoes on stick.
en vrai, qui était pas trop mal. Parce que vu que là, il n'y a pas de mob de bouffe, j'ai pas oublié de faire 15 bouffes différentes. Il me faut juste une bouffe qui nourrisse bien. Et je sais que les potatoes on sticks, ça nourrit trop bien. Et c'est juste une patate cuite sur un stick. Et ça nourrit 4 putains de trucs de gigot, quoi. Donc dès que j'ai des patates, je suis un petit champ et voilà. Compote. Tu vois la compote? Ça? Apple sauce, quoi, ouais. Albat. Pas après Sky Factory 4. Après, c'est Skyblock, hein. Tous les Skyblocks ressemblent un petit peu au début. Hein. Ouais, pourquoi j'ai gueulé sur le starter bouffe? Bah. Oubliez pas que moi, Blacky, j'ai quand même fait plusieurs Skyblocks. Il y a des gens, ils ont peut-être jamais fait des Skyblocks ou autre. Hein, et ça les aidera d'avoir ce petit starter bouffe, tu vois ce que je veux dire? C'est que je pense qu'il y a certaines personnes pour qui ça sera quand même utile d'avoir ça. Oh Ouh, merci beaucoup Antoine! yeah. Merci beaucoup Antoine pour ton sub, hein, et Twitch Prime, et bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Si jamais tu souhaites rejoindre notre serveur, tout se passe sur mon Discord. Il faudra juste que tu connectes ton compte Twitch et ton compte Discord avant. Enfin avant. Sur Discord quoi. Hop. Bon alors Water Extractor. Là j'ai deux stacks et demi de planches, je pense que je suis pas trop mal. Water Extractor. Oui. Alors est-ce que ça peut déjà me détecter le submit de ça? J'ai déjà détecté ça, voilà. Et le compressé il se fait avec combien? Avec 5, ok. Parce que t'as les trucs compressés ils sont avec 4, d'autres avec 9, d'autres avec machin. Bah en fait c'est ni plus ni moins que le Minecraft, et un compressed. Et l'avantage du compressed c'est je crois qu'il prend beaucoup plus de flotte, hein. Il prend 3 par 3, alors que lui il en prend... Après tu me diras avec Excavate je crois que ça marche aussi, je sais plus trop. Et en fait ce petit Water Extractor va nous permettre de récupérer de l'eau avec les feuilles. Donc je vais vous montrer. Là, je vais être maquette. Déjà, on prend le loot chest, faut pas déconner. Elles sont quand même un peu buggées, hein, les quêtes. Hein. Le choice reward, il est un peu tout claquos. Hein. Ouais, faut cliquer quelques de fois et retirer. Comment je lis mes comptes? Quand t'es sur Discord, tu vas dans paramètres d'utilisateur, tu vas dans connexion et tu connectes ton compte avec ton compte Twitch. Ni plus ni moins. C'est tout simple. Paramètres d'utilisateur, connexion, Twitch. Let's go. Oh. Oh. Alors ça. C'est pas utile pour l'instant, mais ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Tu veux pas escavette? Ok. Sneak des sneaks pour faire pousser les arbres plus vite. C'est ce que je fais à Twitch. Ce que je fais, je spam ma touche sneak, mais c'est juste que c'est random. Parfois ça pousse en 2 secondes, parfois ça pousse en 10 secondes. À savoir. C'est ce qu'on va faire, enfin un coffre. On va faire un coffre, comme ça avant que je me nique toutes mes ressources. On va faire des slabs aussi. C'est un coffre là. Hop. Voilà. Là ici il y aura tous mes outils Tinker. Sachez j'ai mon petit coffre. Ah t'as une barre de recharge dans le coffre, c'est trop bien. Déjà on met ça là, je vais mettre mes trophées. Les trophées je les mettrai plus tard. Mettre des Drying Rack aussi qui me servent pas à grand chose pour l'instant. Je vais mettre le bouquin, parce que le bouquin j'en ai pas besoin. De toute façon je peux l'ouvrir juste en appuyant sur ma touche. Donc voilà. Donc ok, on a ça. On a ça, on a ça. Alors attends, parce que. Ah oui, ok. C'est un peu bizarrement foutu. C'est-à-dire qu'en fait, il faut l'eau pour faire la lave, bien évidemment. Mais en même temps, pour faire la lave, il te faut avoir ça. Mais pour avoir ça, il te faut avoir Dirt Furnace et Combustion. Mais pour avoir ça, il te faut Mob Farm. Donc en fait, il va falloir que j'ai bah, de la Gunpowder ou différentes choses avant de pouvoir faire la combustion et tout. Donc là, en vrai, limite, avec le bois que j'ai, je vais pouvoir partir par là-bas. Pouvoir partir par là-bas et. Me mettre bien, quoi. Je vais faire un petit chemin. Et une fois là-bas, je ferai de quoi faire spawner du mob, quoi. On se rend à faire ça. T'as qu'un seul reward bag, hein. En récompense, oui. En fait, tu choisis parmi 3. Enfin, c'est random, hein, ça sert à rien. Je pense que c'est déjà généré aléatoirement, donc il n'y a pas de. On a tous des récompenses différentes, peu importe ce qu'on prend, quoi. Et comment on a de l'argile? Alors attendez, clay. Là, faut que je fasse de l'argile. Je pense que la quête, elle le dit d'ailleurs comment faire de l'argile en vrai. Ou je pense que même peut-être que là-dedans, ils te le disent comment faire de l'argile. C'est un doute. C'est un doute quand même. Ok, t'expliques comment ça fonctionne, blablabli, blablablu. Ah c'est vrai qu'on peut faire le Dust Furnace en vrai.
Ah, mais c'est pour ça qu'il faut la gunpowder en fait. En fait, il faut une gunpowder pour pouvoir faire un Wooden Head Component. Pour pouvoir faire un Dirt Furnace dans lequel on va pouvoir commencer après à faire chauffer 2-3 trucs. Notamment, je pense, la porcelaine. Et qui sera utile par exemple pour là-dedans quoi. Parce que si t'as pas la porcelaine pour la faire cuire, c'est un petit peu compliqué. Hein. Après, je pourrais faire ça comme quête par exemple. Je pourrais faire ça en vrai. Peut-être faire ça aussi. Bon, faut pas que je m'éparpille non plus, hein, mais enfin, je vais regarder la clé. Après, c'est peut-être par bloc aussi que ça se fait. Hein. Parfois, faut regarder. Ok, donc c'est par bloc. En gros, faut mettre de l'eau sur la dirt. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Donc, c'est pour ça qu'il y a une forêt de la flotte. Hein. M'énerve le modpack, on s'en sent toujours pas. Hein. T'as alloué assez de RAM hein. En vrai, je crois que je vais venir sur le serveur. C'est vrai? Bah, viens, gros. Hein. Carrément, hein. Si tu veux faire du modé, viens. Hein. Y'a pas de soucis. Hein. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Hein. Salut Yama, comment vas-tu? 1 giga, ça passe. Ah merde, j'ai niqué les feuilles. Payer des feuilles. Payer des feuilles. On fait chier. Aiguille la traduction à côté comme d'hab. Bon, ouais, ça va. Hein. En fait, en vrai, le seul truc qu'il faut pas fail, hein, c'est compter ici. C'est dans le choix. En fait, ici, tu auras 3 trucs à choisir. Tu prends surtout pas le truc de droite. Le truc de gauche, t'es ultra libre. Le truc de droite, ça veut juste te dire qu'il va falloir suivre un petit peu les étapes. C'est le plus sympa, quoi, on va dire. Tu veux m'envoyer ici, s'il te plaît. Alors, t'as mis ton pseudal. Yes. Ils font chier avec leur commande à rallonge. Secours. Écoute. 5 giga, c'est juste que j'ai dépassé 5 giga de chargement si tu gagnes du temps. Ouais. C'est vrai que pour ça, vie. Et sinon, on serait beaucoup trop nombreux sur le serveur et ce serait trop la merde. Genre. c'est pas gérable de mettre 80 personnes sur un serveur modé. sur un serveur NIA, ça passe pas. Sur un modé. Par contre, c'est quand tu veux pour pousser, frérot. Tu sais, petit Tino, comment vas-tu? Eh hey, il veut quoi l'arbre là? Il a pas se pousser un peu ce con. Ah voilà. Ah non c'est clic droit. C'est ça. Au clic droit. Et bam. Et là vous voyez j'ai de la flotte. Là j'ai 280 mini buckets. Et en fait pour faire de la clé il va me falloir 200 mini buckets. Alors après si vous voulez faire une source d'eau il vous faut 1000 mini buckets. Et ça consomme beaucoup de sapling. Et je vous conseille de faire ça quand vous avez un petit peu de sapling en stock. Pour pas vous retrouver sans arbre après c'est un petit peu con quoi. Ok. Et normalement tu fais ça là-dessus. Et hop hein, t'as la clé. T'as la clé. Voilà. Après ça va nous connecter à la quête. Et c'est un autocliqueur pour spam shift. Bah tu baignes ton shift sur un clic. tu baignes ton shift sur le clic gauche. Alors loot chest hein. On a l'habitude, il hein, faut sortir 15 fois du truc pour pouvoir accepter. C'était donc ça, ce que t'avais eu. En vrai, pour Tomcraft, c'est pas mal, hein. en vrai, pour Tomcraft, c'est pas mal, hein. Sois Diablante, comment vas-tu? Comment vas-tu? Tu les trash can? Yes. Comment ça se passe pour ce qu'il faut DL, hein? Putain t'es re-sub alors qu'il y a un peu l'alerte hein, petit trou du cul. Il y a un peu l'alerte de ton sub. Comment ça se passe pour DL? Tu vas sur Twitch, donc sur l'application de bureau Twitch, tu vois. Tu vas dans Minecraft. Hein. Tu vas dans parcourir les packs de mobs. Et tu tapes Modern Skyblock 3. Et c'est le Modern Skyblock 3 Deep Art. Ah ouais je crois qu'il y a un tuto, ouais Blacky il a fait un tuto non? Il est où le tuto? J'en sais rien. Où il est le tuto? Je sais pas où il est. Le bon sucre d'orge, ah, putain. La merde. Faut vraiment être proche pour que ça prenne. Hein. Je pense que je vais prendre de quoi faire une source d'eau déjà. Comme ça, moi j'aurais déjà ça. Tu as combien? Je suis à 620. J'ai pris pour ton PC. Normalement, il a changé sa config récemment, Flug. Ça va. 1220. Bon, on va même en prendre plus, comme ça, on pourra faire de l'argile après. J'ai avoir besoin de beaucoup d'argile de toute façon. Donc, voilà. J'ai juste build avec ça. Peut-être build avec la dirt même.
Bien pro. Ah! Première! Oh yes. D'ailleurs, t'es limité au début, je pense. Non, en vrai, on en a assez rapidement après. C'est pas le truc le plus pire à avoir, tu vois. Oh, j'ai fait un escavage, j'ai peur. L'escavage, il m'aurait pété la grâce ici. Ça serait parti sur un rage kit. Après, la grâce, on peut en avoir. Là, je regarde, la grâce, tu peux en avoir après. Pas de soucis. Tout est pensé pour. C'est juste chiant à faire. Oh, oh le con. Oh le con. Donc bon. Terre différente de l'herbe. Hein? Mais ça là. Ça, pas compliqué à avoir. Avec le life insulin de merde. D'ailleurs, t'as de la grâce sans différent. Ah, tu. Ah, ok, pour excavate. Ah. Ah. Fleck, au lieu d'écrire Modern Skyblock 3, il m'a écrit ça. Il m'a écrit ça, les gars. Il m'a écrit Modern. Modé Skyblock 10 part. Ouais, lance Google Traduction. Lance Google Traduction pour le modpack. Alors, il faut une toolstation, un stand shield table, etc. etc. Ah, des stickers. Ah, des blancs patterns. Pour en faire 50 non plus pour le départ, hein, ça sert à rien. Donc, normalement. Ah, mais je me suis fait carotte parce que j'ai plus de bûche. Il faut avoir une bûche. Hop. Attends, si je retire ça, ça me carotte là, c'est là-bas en dessous. Ah non, c'est bien fait sur ce modpack là. Ça retire qu'une slab sur les deux. Enfin, c'est bien fait, c'est chiant par moment quand même. Mais... heureusement qu'il y a Google Trad. Hein. Je me demande si en allant trop vite ça nique pas justement, tu vois. S'il faut pas y aller plus doucement comme ça. Quand j'y vais plus doucement comme ça, il y a l'impression qu'il y a quand même plus de particules que si jamais je spam. Oh, quoique. C'est juste random shit hein. Oh. Et berm la saturation qui descend. Ah bah là ma saturation Bah moi je. Et quoi, j'ai excavate le grand arbre. Mais le grand arbre il était collé avec le pommier. Et du coup, y a plus de feuilles chez le pommier. Et y a plus de pommes. Enfin, y en a un petit peu quoi. Un petit peu. On va refaire un pommier, hein, c'est pas grave. On va le foutre à 50 blocs là. Voilà. On va mettre le pommier, on va le mettre là. En vrai, si je mets là, je suis safe. À bout d'un moment, j'aime bien qu'on me prenne pour un con. Mais... hop, il est remboursé de toute façon, le pommier. Là, par contre, il y a un arbre qui spawn en travers. Chiant. Ok. En vrai, j'ai pas mal de bois là, c'est bien là. Alors, je fais pas d'outils en bois, ça me sert à rien. J'ai juste fait une pioche pour péter mes trashcans tout à l'heure parce que c'était trop long sinon. Mais je ferai les outils plus performants de base avec Tinker. Je pense qu'en fait, même un outil Tinker juste en bois est plus efficace qu'un outil en bois de Minecraft pur parce que t'auras l'Ecological en fait, qui est une affix, hein, qui est l'un des bonus du bois. Et le bonus du bois en fait, et qui fait que ton outil se répare naturellement avec le temps. C'est cool. Puis à tout moment, après, tu l'upgrades avec les parties que tu veux donc. Donc, on a dit. Il faut aller une pommier.
Ah, puis là j'ai trois pommes, c'est ça? Bon, c'est pas grave, ça fait l'affaire, de toute façon on peut les faire pousser après. C'est pas grave. Voilà, c'est bien fait pour ma gueule, comme on dit. Chais. Attends, il me demande que ça à faire? Normalement, il n'y en a pas avec une table de craft de lambda. Ah, quoique non. Non, je change rien. Plein de... Alors, le mob griffing, normalement, il est activé. Hein. Donc, traduction. Faites attention. Vous éloignez pas trop des endroits spawnables. Hein, au risque de vous faire niquer. Par contre, alors, comment tu reconnais? Oh, tu me diras, au pire, je switch comme ça, hein, pour reconnaître. Hein, parce que là, je vois absolument pas les skins. Hein. Voilà. Merde, j'ai pas de pression, putain, il me faut de la pression. Ah, j'en veux les couilles, dès que je peux faire de la pression, ok. Non, mais attends, non, non. Dès que je peux faire de la pression, dès que j'ai de quoi faire une pression chamber, je sais pas quoi, mes couilles là, je le fais. Hein. Dès que j'ai pneumatic craft, les gars, ça part en. Non, non, non. Enfin, pneumatic craft. C'est quoi le truc pour faire de la pression? Attends, c'est vrai qu'il y a des drones là-dedans. C'est pas une pression chamber, c'est ça, il me faut un air compresseur. En vrai, c'est même pas cher en plus, c'est que du style. Ah non, c'est compressé d'iron. Ah oui, ça c'est. Ah, c'est pas le truc où tu drops de la TNT, de l'iron, je sais plus quoi, dans de la flotte. C'est ça. Awesome, vous avez une poutre. Alors, tu fais dans de la flotte pour pas que ça te pète ta base en fait. Mais en gros, tu balances. Enfin, faut juste que faire péter quelque chose sur de la. Mais mode pack dans l'onglet mode de ton MC? Normalement, t'as pas besoin. Enfin, normalement, Antoine, tu vas directement sur Twitch. Hein. Sur l'onglet Twitch. Enfin, hein, sur le Twitch du bureau. Tu télécharges le mode pack. Tranquille, t'as rien à faire en fait, c'est tout qui se fait tout seul en fait. Et la version c'est la dernière. C'est la 3.6.0 je crois. Hop. Alors. Chest, pattern chest, part chest. Bon, le chest c'est fait. Bon, je fais les quêtes, hein, c'est vraiment pour avoir des récompenses à la con, hein. Pour le début c'est fun. Hein. Allez, il faudra que je récupère les patterns. Alors, il me faut un chest. Hein. Il faut un part. Attends, parce que. Eh part de chest, c'est quoi part de chest? Ok. C'est un chest avec des sticks et un truc en dessous. Okay. Et le part de chest, il fait quoi? T'es, on va mettre les deux côte à côte, hein, j'ai envie de vous dire. Je sais pas à quoi il sert. Hein. Dans le doute. Aucune idée. Le Twitch de mon bureau veut pas score à internet, j'essaie de le réinstaller, ça n'arrive qu'à moi ce que. Non, parfois ça bug. Combien un chalet, combien de gigas on veut mettre pour les mode pack? On descend Twitch, tu vas dans paramètres, Minecraft, et tu descends jusqu'à mémoire dédiée. Il sert à quoi les bouts d'outils que t'as fait en trop? De quoi hein? Bouts d'outils? De quoi ça? T'as mis le coffre pattern à côté de la bonne table. Part crafter. C'est dans part crafter ou pas? Le bon truc normalement. Normalement oui. Le part crafter est à côté du pattern d'un chest. Hein. J'imagine. Sans le vouloir, je pense que c'est bon. J'ai pas compris. De quoi Antoine? Pour le truc. Normalement quand t'es sur la version de bureau. En fait, Twitch, faut savoir que c'est à la fois le truc sur lequel vous regardez les lives, tout ça. Mais en fait, en même temps, il y a une version de bureau. Donc en fait, il y a une API de bureau. Donc quand t'es sur Twitch, tu peux télécharger directement l'API de bureau. Et sur cette API de bureau là, quand tu vas dans mode. Dans Minecraft, tu as. Je vais vous faire un screen en fait, putain. Hop. Enregistrer sous. Bureau. Capture. Tac. Ajouter une image. Donc en fait, attends, je pense que je peux déjà modifier celle-ci.
Yes. Attendez, elle est un poil grande. Là, vous voyez rien, c'est normal, hein. Je modifie juste la taille. Pour que ce soit visible à l'écran. En gros, il y a quelque chose comme ça. Pas rapide bureau. Capturer ton appli plutôt. Oh, flemme. Flemme. Donc voilà. Alors, en fait, quand tu es dans mode, hein, toi t'as tous les modpacks en fait. Après, tu vas dans parcourir tous les modpacks de mode, tu télécharges les modpacks que tu veux. Et ça installe automatiquement le truc quoi. Merci Yamos, merci Gabriel pour les follow, bien à vous. Et merci aussi Trader à Jackie le gros Shibax, Doa Queen, Memory. Bienvenue, bienvenue. J'en étais où dans ma quête? Oh, ouvrir le coffre, ça m'a fait faire mal le truc. Opium Core Descent. Je sais pas ce que c'est. On va faire Kikoku ça. C'est quoi le Kikoku? C'est quoi le Kikoku là? Dans Widden Hopper, je suis sûr que c'est de la merde à crafter ça. Ouais, c'est un chest avec du bois quoi. De la merde. 40 milliards de bois. Ouais, tout ce qui peut me donner des wood chests, les gars, c'est fait du slip. Hein. Ok, Noi. Kikoku. Ah. Et en gros, moi j'ai eu le descent. Ah, ça m'économise quand même pas mal de choses si jamais je vais faire le kick au cul. Hein. Kick au cul, c'était vraiment de la merde comme nom. Alors, j'ai les musiques badass du cul de Botania. Donc, dès que j'ai un diamant, les gars, je me dois de faire un jukebox. Je me dois de faire un jukebox. Dès que j'ai un diamant, je fais un jukebox. Ça, c'est non négociable. J'ai the music du jeu. Je suis obligé. Je suis obligé. Bon, on a dit que le milieu c'était là. Hein. Donc écoutez, il est l'heure d'aller se faire laver le fion. C'est combien la range de blocs à partir desquels les mobs spawn? 16, c'est ça? Ah ouais, il vaut mieux que je fasse à combien? En fait, faut que je fasse à une range. Oh, je vais aller à une vingtaine de blocs, trentaine de blocs. 16. Je vais aller un peu plus loin quand même, parce qu'après, il suffit que je fasse des choses par là et ça spawnera plus. Alors, oui, après, si je suis trop loin, il despawn aussi. Enfin, un tube block normalement. Je mange. Je pense que je vais. Voilà, je vais me mettre là. Je suis en combien là? Je suis en moins 964. Hein. Je suis à une trentaine de blocs du truc. Ça me laisse de la marche pour agrandir. Hein. Hop. Alors je sais plus comment je fais. Je sais qu'en fait je fais des petites lignes où les mobs pouvaient spawn. Alors normalement il vaut mieux que je fasse deux de large pour que les araignées spawnent aussi. Même si elles vont me faire chier parce qu'elles vont monter. Ils spawnent à partir de 16, sont susceptibles de spawn à partir de 32. Ah donc en fait il faudrait quand même que je fasse peut-être un peu plus proche, c'est ça. Une hache temporairement. Enfin, c'est même pas une hache temporairement, je fais une hache avec Tinker, je pense. Attends, faut se faire chier en faire ça comme ça. Parce que plus ils sont loin, plus les probabilités de despawn dans les lieux. Ouais, mais je pense qu'ils despawnent en fait. J'ai vraiment envie qu'il y en ait 0 qui despawn, tu vois. Je vais juste rapprocher de 5 blocs, hein, comme ça. Ah, mais attends, mais je suis con, rapprocher de 5 blocs. En fait, non, mais. C'est débile, je vais laisser ça comme ça. Juste que je vais commencer, genre peut-être là. Plateforme. À la place. Ça va commencer. Ah, mais après, c'est. Je sais à combien exactement. Ah, ici, on est en 160. Ah, il y a quand même 40 blocs. Hein. Rien qu'ici, il y a 30 blocs.
Oh, je vais remettre 5 blocs plus proches. C'est vrai que la notion de distance elle est un peu chelou quand même. J'ai l'impression que je vais mettre là, genre. Hop. C'est bugué l'affichage là, alors vous voyez pas en fait, mais en gros derrière le boss il y a un affichage du nombre de blocs que je suis censé avoir dans l'inventaire et dans la main. Et bah ça met 0-0. T'as mis un peu les coups de... Ouais je sais. Mais c'est un petit. C'est chiant. Alors d'ailleurs en parlant de minimap pour l'écho. F! Yes. On scale hein. En bas à gauche. Ok. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Alors tu m'as dit font scale en bas à gauche. Ah oui, c'est rien que le niveau 2, c'est Miroman quoi. T'as le niveau 2 déjà. T'as une myopie sacrément avancée quand même hein. Ou alors tu joues sur Minitel. Ou sur téléphone. Ou sur Casio. Alors ce qui est bien quand t'as un connard comme moi et que tu veux faire un truc impair, c'est quand tu fais une 2x2, t'es niqué. Ou alors je fais un truc de 3 au milieu, histoire que ce soit bien large, que ça spawn bien, que j'ai une bonne grosse zone de spawn. On va faire ça. Donc en fait ici c'est toute la zone spawnable. Yes. Non, on va faire différemment. Mais là, si j'en fais un là, j'aurais bien me laisser deux pour passer. Et j'en fais un autre de deux de large, peut-être sur les côtés. Ou alors j'en ai juste un pour passer. Ah, sinon, ouais, je mets un couloir au milieu en effet. C'est pas con. J'ai un couloir au milieu pour passer. Après, ça fait peut-être proche en fait d'avoir juste un. Parce qu'en fait, il faudra dire qu'ici sera un mur. Et là, ce sera un mur. Alors d'ailleurs, normalement, je pense que les mobs seront plutôt à cette hauteur là. Hein. Les mobs seront à cette hauteur là et j'étais après comme ça. Ça en fait ce sera à la hauteur de leurs pieds là. Hein. On va se dire. Oh, tu me diras, ça passe comme ça en vrai. Le problème c'est que si jamais il y a un truc que j'ai en aggro pour me cacher, c'est pas ouf. Hein. Bon, on verra bien, puis on adaptera. On adaptera. Par exemple, ici j'aurai une zone comme ça. Là par exemple, c'est une zone de spawn. Agrandir par là aussi. Il va vraiment falloir beaucoup plus de planches. les gars. Et après, il faudra que je fasse tous les murs autour. Et je prends pas envie de faire que des planches non plus, parce qu'après, quand tu castes et que c'est que des planches, c'est très chiant un build. Enfin, à casser. Je vais quand même garder une partie de non-planches. Alors, je vais garder au moins ça en non-planche. Enfin, de toute façon, je vais farm du bois, hein, c'est pas grave. Hein. Et du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Je vais mettre les slabs en dessous. Ça, on va mettre du bois à la place. Et là, ailleurs, ici, je vais peut-être récupérer les slabs. Comment tu fais pour récupérer les deux blocs à la fois? Je sais pas. En vrai, ça me dit de la durabilité à chaque fois. Moi, c'est pas grave. Merde. Ok, ici, c'était déjà un bloc. Okay. Par contre, ici, c'est full planche. À niquer. Bon, au pire, là, tu me diras la hache, je la répare avec un de bois donc. Ça me fait XP hein. Ça me fait XP la hache donc c'est toujours ça coup. Là si je fais un excavate je pense que ça sent le cul. Je pense que si je fais un excavate je suis dans le vide. Et ce qui est bien de faire 2 de large c'est comment tu peux récupérer les items un peu partout. Aussi. 3 de large quand t'as item qu'au milieu tu fais un peu la gueule quoi. Un peu chiant. Y'a l'XP. Ouais. XP 13 sur 500. Mais j'ai pas l'impression que ça marche sur les slabs. Je rien dit, ça marche sur les slabs, mais je pense que ça doit en compter une sur deux. Ça va compter un demi-bloc. Et ouais, il y a l'XP, c'est cool. Ça pour moi, pour les modifieurs. The Nuclear Games, comment vas-tu? C'est quoi Excavate hein? Excavate, c'est ce qui permet de tout one-shot en fait. Par exemple, si t'as un arbre, si tu restes appuyé sur la touche d'Excavate, que tu bindes dans les contrôles,
Cette one shot l'arme en fait. C'est très pratique. On se le disait. Hein. Me dis pas que tu joues sans ça depuis tout à l'heure. Hein. Alors ce qu'on va faire c'est que là les coins, c'est pareil, les coins je vais les retirer. Comme ça moi, je peux aller dans les coins comme ça pour choper les items. Vous voyez. Ah mais de toute façon maintenant je suis con, c'est en haut, on s'en fout. Ouais mais ça me fait économie. Ça me fait une économie. Ah mais attends mais je fais... Ouais non si, là ici je suis obligé de mettre des slabs. Quoi que non je pourrais mettre des blocs. Ah mais non parce que je pourrais pas passer. Là je suis obligé de mettre des slabs, je mettrai des blocs pour build. Et après le plafond je ferai en slabs. Ah c'est ça. Je me souviens. Alors après là à tout moment, là je fais que deux zones de spawn. À tout moment j'agrandis, je fais beaucoup plus grand hein. À tout moment je rajoute des zones de spawn sur les côtés. Là je fais deux de large histoire qu'il y ait Spider qui spawn aussi. Hop. Ouais ouais faut, je sais qu'il faut que je fasse 3 de haut pour les Enderman. Je suis en train d'y penser ça, j'étais bon. J'étais en mode attends, comment faut que je gère tout ça là. Donc là, hop. Alors attends, là on a combien de hauts là? On a 1, 2, 3. Donc en fait c'est 3 de haut comme ça. Et je mets une slab par dessus. Genre comme ça. C'est ça. Là je rebouche comme ça. Je pense. Et s'il y a seul. Je peux pas viter ton île. Ouais. Je suis admin. Ah oh bah j'ai envie de vous dire Ché. Oh, on est bloqué dans l'arbre. Je peux pas bouger, JPP. Je sais. De toute façon, les arbres, je les bougerai après. Hein. Là pour l'instant, ils sont en plein milieu parce que pratique, tu vois. Mais et je bougerai ça après. On tourne là. Celui qui me griffe ma base. Il se prend un gros pied-bouche. Ah voilà. Donc normalement là j'ai ma petite zone de spawn de mob. Vous voyez là c'est bien, c'est pas éclairé tout ça. Ça fait bien 3 de haut. Je peux tout avoir qui spawn dedans. Enderman machin. Le seul problème que je pense avoir c'est que j'ai peur de me faire enculer par les mobs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là à tout moment le mob qui est là il me regarde et il fait boum hein. Là à tout moment le creeper il pète hein. Oh putain il y a ça qu'il faut faire. My team, create a new team. Accept hein. Attendez, parce que le creeper qui pète là. Voilà, je protège. Hein. Comme Skypier s'est pris de son gamin. Ouais. Mais en fait, c'est pour ça que je me tâte à. Je vais bouger de 1. Je vais bouger de 1. Je suis obligé. En fait, ça va être très chiant là, les amis. Mais je vais bouger de 1 parce que 100% ici. Si je me colle là, pour pas me faire shooter ici, je vais me faire shooter ici. Je vais me prendre des positions dans tous les sens. Je suis obligé. Et je n'ai plus ni moins obligé. C'est pour ça que j'avais un doute à faire ça comme ça. Il faut de l'espace entre les trucs, sinon t'es niqué. Ça va me coûter plus de ressources. J'aurais pas un, j'aurais un plus grand mur. Enfin, j'aurais 2 murs de chocolat du coup. C'est pas grave, c'est comme ça, écoutez. Ce mur là je vais le laisser. Ce mur là me sert à rien. Ce mur là me sert à rien. Non j'ai pas le laisser en fait celui-là. Non je peux pas que je le laisse parce que je veux décaler aussi. Oh. Vous savez que c'est un peu le moment où t'as envie d'excavate quand même hein. En vrai hein. En vrai de vrai Voilà. Est-ce que si j'excavate ça. Non, attendez, avant que ça parte en couille. Ah, c'est par niveau, j'ai l'impression. Hein. Si c'est pas lié entre eux, c'est par niveau. Hein. Yes, c'est trop bien! Oh, c'est trop jouissif. C'est Dark IPP, comment vas-tu?
Hop, tu fais ça. Voilà, hop, ça. Alors d'ailleurs, j'ai fait ça, en fait, c'est con. Enfin, je l'ai fait pour les deux lignes, mais il n'y avait qu'une ligne à faire, c'est pas grave. Faut que ce soit relié, ouais. C'est quoi le nom de l'escavette dans les contrôles? Bah écoute, tu vas dans contrôle. Tape escavette. Et t'as escavette. Ah ok, les dalles hautes et les dalles basses, c'est bel et bien inversé, c'est ça? Ah, j'avais un doute parce que j'ai pas voulu essayer tout à l'heure. Siruru, comment as-tu? Me manquait le S. Bon, au pire, tu t'abuses SK, hein, tu sais, quand c'est comme ça, LOL, t'emmerde pas. Hein. Joue sur quoi là? Joue sur mon serveur modé. Réservé au sabre. Ou simplement. Donc, ça ici, c'est pour le spawn des mobs. Voilà. Ici, ici, comme ça, on fait ça. Juste tirer un trait pour aller de l'autre côté. Je vais casser, hein, mais ça m'évitera de me faire chier à faire la manip de l'autre côté. Y a pas accès? Bah, si t'es sub, si. Sinon, non. Et si Balta? Balta, ziré, pote, 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 salut, comment vas-tu? Y'a mode Tinker contre truc? Y'a plein de modes. Crois-moi, y'a plein de modes. Crois-moi qu'il y a plein de choses à faire. Y'a les poulets! Alors, ça, c'est craqué, ça. Ça, c'est bien, mais c'est craqué. La chronique évolution, bien évidemment, qui est tout à la fin. Je sais pas si je ferai de la chronique évolution sur le serveur. Hein. Je peux vous cacher que c'est un peu loin hein, comme mode. Un peu loin, c'est un peu loin. Hop. J'ai zoomé un petit peu sur la map aussi. Voilà. On voit rien parce qu'il fait nuit, mais. D'ailleurs, pourquoi ma zone de claim elle est rose dégueulasse? Pourquoi c'est un vieux magenta toute la cause que j'ai? C'est parce que c'est la couleur de ma team? Ça? Chance. Hein. Là, c'est troisième bloc. Ensuite, il faudra que je mette les slabs par-dessus. Yes. Attendez. On peut changer la couleur de la team. Pas changer. Ah, si, trouvé. Non, ça change strictement rien, c'est juste la couleur de base du truc. Ça change strictement rien, c'est juste la couleur de base. C'est. Ou alors. T'as vu, je peux update. Ah, mais en bleu, tu vois plus rien en fait. Ouais, je sais pas s'il y a une couleur qui serait un peu translucide. Attendez. Ouais, c'est un peu mieux ça comme ça. On voit déjà un peu mieux ce qu'il y a sur la map. En fait, comment on change le FOV sur 1.14, je trouve pas. Ah, sur 1.14! Normalement, c'est là. Normalement, c'est dans contrôle, je crois. Ça doit être dans contrôle, ça doit être ici, je pense. Pas trop. C'est pareil, ça va? Ah, voilà. C'est pareil, bah, c'est là où je t'ai montré. Bon, 1h30 pour faire une usine à mob, enfin pour faire une usine à mob, pour faire un endroit où trois connards de mob ont spawn. Oui, pas de check en F7. Hein. Normalement, c'est bon. Normalement, même sans check, c'est safe. Par contre, on en parle quand j'ai beaucoup moins de bois là. Pourquoi j'ai beaucoup moins de planches? Ah, parce que j'ai espacé et du coup j'ai deux murs en plus à faire. Et bah, du coup, Pinchella, ça spawn pas. On va prier pour. Ah non, parce que j'ai fait. J'ai pas fait les coins. J'ai fait les coins. J'ai fait les coins. On recycle ce qu'on peut. Hein. On est pauvre. Hein. Comment ça, j'ai pas de bug spawnable? Spawnable ici. Attends, pourquoi? Ah oui, c'est la planche qui est spawnable là-bas. Ok. En dehors des pads. Ah!
C'est pour ça que tout à l'heure j'avais pété les contours, en fait c'est pour éviter mes fails. Là je me suis dit je vais le faire après, mais bon, j'aurais dû le faire avant. Pas grave. Hein. Ah c'est pas grave, pas pressé de toute façon. Pas mal d'avoir que Wicker, oui. Je sais pas si on pourra augmenter ça par la suite, mais oui. Moi je pense que tu peux augmenter ça par la suite avec tous les mods à la con qu'il y a sur le serveur. Hein. C'est pas pour ça. Bon quoi qu'il arrive il manque du bois, de toute façon je vais aller chercher du bois vite fait. Vu qu'il fait jour ça devrait pas trop spawn. Bien ça devrait pas trop spawn. En fait je pense que les arbres je vais même pas les péter à la hache parce que ça va me casser ma hache pour rien. Je vais juste les escaveter à la main parce que je vais gagner une demi-seconde en escavetant ça. Avec la hache. Je sais pas s'il faut regarder les sappings pour que ça marche. Ensuite je rentre demain. Ah! Encore un arbre géant. Attendez, j'ai déjà le pété. Et la bouffe part assez vite quand même. Hein. Franchement, vivement que j'ai une patate. Hein. Tiens, je full bouffe de la pomme. Hein. Je farm full pomme, je full bouffe de la pomme et puis. Puis let's go. Hein. Part assez vite quand même. Ah 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 ah, y a du mob. Hein. Je confirme que ça spawn. Hein. Allez, je suis parti 2 secondes. Hein. Y'a du zombinos et du creepos. Hein. Je vais les péter avec la hache. Je ferai une épée plus tard. Bon, enfin, invité. Nice. Et retiens, tu fais des conneries. Hop, je vais juste récolter tes drops ici. Voilà. Et normalement, quand tu es F7, y'a rien de spawnable. Ok. C'est bon, il a une armure ce con. Il a une armure. Merde! Oh. Peut-être les garder pour les gold nuggets ceux-là. Ah, quoi qu'après, avec la Rotten Flesh, tu fais beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Il fait beaucoup de choses intéressantes avec la Rotten Flesh quand même. Je sais pas quoi. La Richmond Biomill déjà. Pas mal. De la. Du leader, comme ça. Avec le cuir, on peut le faire comme ça. Faudrait que je fasse un drying bassine. Justement, ça coûte un petit peu de. Un petit peu de fer. Alors, je sais pas s'il y a un moyen plus simple de faire le cuir avec ça. Botania, mais il faut du mana. Rate micro constructeur, mais il faut de l'énergie. Fluide agitator, mais alors ça, j'en parle même pas. Non, je pense que c'est le plus simple. Manufactory, c'est pareil, il faut de l'énergie en fait, donc c'est chiant. Combustion, tu auras des patates empoisonnées. Qui te sert à faire un voodoo poupette. Voilà. Ah non, qui te sert à faire la radioactive powder mixture. Qui te sert à faire différents trucs, notamment ça, qui te permet d'avoir du gold. Ou du lilorium plutôt. Pareil. Et donc il y a toujours 2 points d'armure de base, même son équipement. Ah ouais? Vous voyez pourquoi j'ai fait un chemin pour reculer? Pour éviter de me faire niquer comme ça par les creepers. Oh! Il y a les loot bags! Il y a les loot bags! Vas-y, nid un legendary là! Vous savez que j'ai passé ma vie à farmer du mob avec les loot bags, hein. Vous êtes au courant? Hein. J'ai passé ma vie sur Modern Skyblock 2 à farmer du mob avec les loot bags, hein. Je vais faire pareil. Hein. C'est non négociable. Hein. Je peux réparer du bois? Non. Enfin, pas avec ça en tout cas. 2 bois pour réparer une hache. Bon, l'offion. On va se faire une petite épounette. Où c'est qu'on fait les épées hein. Sword. Et faire une guard. Et stickos, on a déjà. Je crois que je peux utiliser un stick de base d'ailleurs pour. Ouais, le stick de base est considéré comme une tool rod en fait. Je pense que. Je sais pas si tu peux faire ça. Je sais pas si tu peux utiliser un stick directement. Ah, attends, je peux peut-être faire. Comment ça, une. Ah non, attends.
On aurait pu qu'il y ait chaîne cube. Hein. Dis pas ça, ça peut arriver. Hein. C'est Non, il n'y a pas les chaîne cube sur celui-là, Charny. Je pensais qu'ils y étaient. Bon, je fais une autre épée aussi, pourquoi? Parce que celle-là, elle a pas une durabilité. Enfin, je peux pas la réparer celle-ci en fait. J'ai pas d'autre choix que d'attendre. Oh, pas une witch. Hein. Non, parce que la witch, faut la spam en fait. Ouais, on se prend quand même des shots. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Il y a pas mal de choses. Hein. Alors déjà j'ai eu la rotten flèche, ça c'est cool. L'XP. La gunpowder je l'ai eu... Ah bah oui, j'ai eu tout à l'heure. Ah mais du coup attends, ça m'a compté en fait ma quête, vu que j'ai pété du zombie, squelette et tout ça. Game ending. Yes. Yes. Alors, je sais pas pour vous, mais moi je serais d'avis d'aller foutre les arbres là-bas parce qu'ils ont commencé à me gonfler si j'ai les arbres ici. Et je pense qu'après j'extendrai la base. Ici je pense à vraiment être mon petit hub où je vais avoir mes trucs de base. Et le problème c'est que j'ai la grâce ici, hein. Ou alors justement je laisse ces arbres là et je décale tout mon stuff à côté, plus loin. Espèce de couteau suisse du loot bag. De quoi? Ça? Exnas, comment vas-tu? Parce qu'au pire sinon je décale mon stuff maintenant et je vais plus loin et ici ça reste... Ouais mais après non, en fait vaut mieux je laisse mon hub ici, je décale les arbres, quitte à ce que nique la grâce. Fais payer serveur s'il te plaît, t'as tout sur Discord. T'as tout sur Discord Antoine. Une fois que t'as bien compte ton ligne, t'as bien ligne ton compte et tout ça. Bon, en vrai je pense que je fais ça. Hein. Là en fait il me faut juste un cactus, c'est de la merde. La grâce je la ferai plus tard, pour l'instant j'ai pas besoin des mobs passifs. C'est pas grave, c'est tant pis. Alors... Justement mes arbres changent, je vais les décaler par là-bas. On va voir ça. Juste faire un petit chemin. Un chemin de combien? Un chemin de 1. On va faire un chemin de 3. On va faire un chemin de 2. Avec casse-couille. Bon après on pensait qu'il ne passe pas mode pack. C'est vrai? Bah une prochaine écoute. Alors est-ce que les mobs peuvent spawn sur la dirt avec sapling dessus. T'as encore une attente pendant cette attaque. Qu'est-ce que tu branles avec ton PC, t'as la kit. Ils peuvent spawn dessus, ouais. Oh, pire, je mettrai les torches, hein, de toute façon. Je vais bientôt avoir des torches donc. Si je mets un arbre au milieu, que je décale de 4 blocs l'autre arbre, un arbre là, 1, 2, 3, 4. Non, j'ai dit un arbre au milieu, 1, 2, 3, 4 blocs. Un arbre ici, et on va dire encore 2 blocs sur les côtés. On pourra escaver tranquillement sans tomber. Donc, imaginons que le premier arbre il est là. Non, parce que non, attends, ah si, c'est ça. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Partant de là, donc ça fait 1, 2, 4, 5, 6, 7. Là j'ai un arbre, 4, un arbre, 1, 2. Je vais faire un carré comme ça déjà. Un carré, pas un rectangle, mais. Je vais faire une plateforme grande comme ça. J'aurai au moins 6 spots d'arbres. J'ai 6 de dirt de toute façon, donc comme ça, ça tombe bien. Est-ce que ça arrivera, c'est toujours up? Je pense pas. Je pense pas. Puis de toute façon, il était complètement claqué à la fin, ça arrive grave, donc... Donc bon. Hop. Par full slap pour être tranquille. Check it, Dax, comment vas-tu? Comment vas-tu?
D'accord. Et merci pour le follow, Katanax. Bienvenue à toi. Merde. Merde. Et là, si je cavale ça, ça marche pas. Elle marche pas. Alors j'ai pas appuyé sur la bonne touche. Peut-être plus, ouais, ça gonfle un peu la flotte, hein. C'est quand vous voulez, vous faites un lit, hein. Dès que vous pouvez, n'hésitez pas. Je crois, en plus, je pense qu'il faut qu'on dorme tous en même temps pour le lit, non? Je sais pas trop. Dans un désert, je l'ai pas. Alors moi, je suis dans un extrême île, ça. Mais j'ai de la chatte, j'ai pas de neige. Parce que je suis pas, je pense que je suis pas assez haut, en fait. Donc si jamais je fais une base plus haute, par contre, je me ferai carotte. Oh, y'a du mob à tuer. Ouh, y'a du mob à tuer là-bas, les gars. Y'a du squelette, y'a du creeper, y'a du zombie. Donc ici, un arbrounet. 1, 2, 3, 4, un arbrounet. J'ai l'espace de 4, comme ça au moins il y a d'autres feuilles de chaque arbre. Je pense qu'on peut encore plus les rapprocher les arbres, mais bon. En fait, ce que j'ai juste peur, c'est que y a du mobar qui spawn là-dessus. On gonflerait. Le 100%, il y a un connard de mob qui a trouvé le moyen de spawn sur un bloc de dirt en fait. C'est 100%. Donc à l'arrière, il faudrait que je mette des slabs avec des torches. Genre ici, je mets une slab avec une torche ou tout comme ça. En plus, c'est pas symétrique, c'est pas grave. Et du coup, ce bloc là, je vais le garder. Enfin, quand même un bloc de dirt au cas où. Si jamais j'en ai besoin. Faire faire un coffre pour la grande. Après, lui, c'est vraiment mon coffre à foutoir. Hein. Un coffre à loot de mob quoi. Et ma zone ici elle est pas assez large. Après je peux la... En fait je pense que je vais l'élargir la zone ici comme ça. Et j'ai mon pommier quand même, c'est pas grave. Je pense que je vais faire ça. Élargir ma zone. Et comme ça je vais faire ma combustion dans le coin je pense. Je vais faire du stockage à côté de Tinker et je vais faire ma combustion dans le coin. Je vais faire un stockage de loot de mob. Ou alors les loot de mob je les laisse là-bas à côté. Et c'est chiant de faire les allers-retours. Non je vais... Coffre de merde du début, on l'a tous, ça va ça. Change les phrases des alertes car ce sont celles de base. En quoi c'est un problème? Il va comprendre qu'il y a écrit dessus quand même. On l'a tous. Avec le tous comme ça. Bon. Mettre deux coffres là. Mais après, je peux les coller les coffres, je crois. Plus. Facile à voir si vous avez de l'eau. De la laine. Après, la laine, tu me diras pour le lit. En fait, il suffit juste de faire de. Comme ça. Ah, voilà, après, sinon, il y a le wooden cotton. En fait. Un peu chiant, quoi. Bon, je vais faire ce coffre là. À défaut de pouvoir faire le reste. Et tiens, on va mettre tout ce qui est loot de mob. Voilà. Parfait. Merci, je le mets hein, pour le follow, bienvenue à toi. Merci tout à l'heure à Battle Royale Lama. Merci à Ibigger. Bienvenue à vous tous. Bienvenue, bienvenue. Normalement, il y a une quête que je peux récupérer. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a dans loot chest hein? Amen! Ah là, je sens le chais chez vous. Je sens la haine chez vous. Il faut juste que je crafte ça, les gars. Et j'ai de la grâce à l'infini. Du coup, de la dirt à l'infini. Du coup. Et y'a les bonsaïs ou pas? Y'a les bonsaïs tri. Ah putain, mais attends, faudrait que je fasse un bonsaï en vrai. Et que de la. Ah mais il faut un hopper en plus si jamais tu veux que ce soit automatisé. Putain mais en vrai c'est trop bien ça. Et dès que j'ai de la brique. Mais attends mais je peux faire de la brique. Faudrait juste un... Mais je peux faire mon dirt. Est-ce que j'irais pas déjà automatiser la production de bois? Est-ce que je suis pas un gros sac comme ça les gars? Attendez. En plus je suis sûr il y a des quêtes qui me demandent de faire ça.
toute façon, la Darth Fiona, il me le demande. Tant qu'à faire. Juste pas de bois par contre. Ça, c'est triste. On va aller péter les mobs avant. Parce que depuis tout à l'heure, il y a des mobs qui despawn, c'est chiant. Oh! Truc de creeper. Oh, les gens de Ryback! Oh, il a intérêt à nous des trucs. Oh, c'est trop bien ça. Ça, je crois que là-dedans, t'as des trucs de bâtard. Attendez, j'ai quoi là-dedans? Attendez, monsieur. Le slime cube, c'est pas un truc d'enfoiré? Si. Ok. Pour avoir des slimes, en vrai. Non, non, non. Ça va partir. Ça va trop partir en couille. Hein. Ouais, pour le clear. Non, non, non. Laisse-toi. Ah, ça, les basic plating, c'était bien pour Nuclear Craft. Des bons Nuclear Craft. Ah, attends, j'ai du bronze. Après, ça peut être pas mal pour faire des les outils. Et du coup, ça, je vais mettre ça là-dedans, mettre ça là-dedans, mettre ça là-dedans, mettre ça là-dedans. Le boop bip mes couilles, on va le garder. Et ça, je sais plus ce que tu peux faire. Tu peux faire de la gunpowder, tu peux faire des ghast tears. En vrai, c'est le genre de truc, tu peux. Alors, tu peux grid pour avoir de la gunpowder assez rapidement. Parce que la gunpowder, j'en ai besoin énormément pour tout, pour les minerais, pour tout ça. Mais en même temps, je me dis que la ghast tears, si elle est utile pour quelque chose. Ouais, au pire, j'en aurai plein tout à l'heure, plus tard. Non, je vais faire ça pour l'instant. Et vous voyez voir ce que j'ai là-dedans. Vengeance spirit. Comment ça marche hein? Attends, c'est pas un truc qui souffle ça normalement? Ça comme truc, c'est trop bien ça. Mais c'est de la merde ça, par contre. C'est de la merde ça. Casse-toi. Non, ça sent le cul. En vrai, je vais le mettre dans un coffre. Parce que ça, c'est le genre de truc que je pense que ça va me faire spawn des mobs chelous à tout va. C'est que Corico. Ah non, mais t'as dit une DR, je paye. T'as dit salut, attends pour moi. Pourquoi il y a des animations? Ah non, c'est de la neige. Lol. Ancien golem, ça c'est chiant ça. Chiant, mais ça drop des trucs. Le genre de moment où, par contre, tu commences à avoir 50 choses dans l'inventaire et que ça va être horrible à tout gérer. En vrai. En vrai, qu'on se dise là. Ça ou le gemme? J'ai beaucoup trop de choses! Ah, quelle horreur! Oh, tête de squelette! Qu'est-ce qu'on a de bien? On a pas eu de légendaire revive, on n'a pas eu de bague tout court. Ça sent un peu le fiant ton coffre. Tant que tu as pas dit dans les craft, ça sert à rien et tout. Ok, ok. Bah écoute, on va tout mettre là-dedans de toute façon. Ça, c'est du loot de mob, c'est du loot de mob, c'est du loot de mob. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça aussi, et Arcade Brick, faudrait que je fasse un coffre pour les minerais. Le problème c'est que ça spawn pas là-haut. Voilà. Bah voilà. Problème réglé. Ah. Petit dagougouille. Là, je suis content pour l'instant, il n'y a absolument aucun lag, mais en même temps, encore heureux, j'ai envie de te dire, vu que la base elle est quand même très limitée chez les gens. Il n'y a rien à charger en fait hein, chez les gens, à part 30 blocs, il n'y a pas grand chose à charger. Mais je suis quand même content que ça lag pas. Et je pense que même sur le serveur de Rigor, ça lagrait. Là, on est à 50% d'utilisation du CPU par exemple. Donc, sachant qu'on est 10 déconnectés, hein, dans une semaine, on n'est pas 10 déconnectés hein, sur le serveur. Donc, bon, ça va. Alors là, c'est le moment où tu te dis, est-ce que je peux poser ça comme ça? Non, absolument pas, il faut qu'il y ait un bloc d'écart, et ça, c'est très très chiant. Après, je pourrais les poser les uns dessus des autres en fait. Par contre, il ferait gagner beaucoup de place. Hop, voilà. Et là-dedans, on va mettre les minerais. On va commencer à entreposer un petit peu les minerais comme ça. Même la clé, tout du genre. Ah ! C'est ça que je redoute ! Rien de domaine.
Attends, les Ender Pearls, c'est dans Era. Hein. Il encore que ça va pas. Oh, petit bug. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Store expérience 2000. Eh, on va peut-être pas utiliser maintenant celui-là. Hein. Attendez. Ah, et faites une ferme à mort rapidement les gars, c'est un conseil. Hein. Salut les gars, comment vas-tu? Comment vas-tu? En fait après faut savoir que les storage bags on peut les stocker dans un seul et même bloc qui va compter ça comme valeur en fait de bag. Et ouais c'est cool. Alors, ça je peux normalement, ok. Ouais. Ah tu peux le faire fondre dans Tinker. 4 de gold ça se garde. Quête de gold, ça se garde précieusement. C'est trop bien, c'est trop bien. J'aime trop les skyblocks parce que t'as tout et n'importe quoi, tout va. Et c'est trop cool. Il va me falloir une de gunpowder. Tef. On peut pas avoir les sites de base sans passer par un mob. Ah ouais? Normalement les graines tu les as. Non, les graines de base, il te faut du flint et un dead brush. Et le dead brush, tu l'as avec une shears et une sapling. Non, tu l'as avec une sapling sur un dying rack. Tant pour moi. Après, en fait, faut juste que t'aies le truc de combustion. Et pour avoir le truc de combustion. Ah, mais si, c'est pour ça, il faut quand même des mobs. Il faut quand même des mobs en fait. Faut quand même passer par les mobs. Ah, sans passer par un mod? Ah, je sais pas. J'ai trop peur que le creeper il me vienne dans le dos les gars. Ok. Normalement avec ça, avec un dirt, j'ai mon dirt furnace. Et à partir de là, je pourrais commencer à faire pas mal de choses intéressantes. Hein. Notamment. Notamment. Cure de la plante matter. Et cure de la plante matter en fait. Ça est utile parce que ça permet de faire du charcoal. Ouais, après j'ai mon poulet pour la grâce en effet. Comme ça hop on pourra avoir plusieurs charcoal. Il va falloir que j'en fasse un petit peu de la plante matter. Voilà. On va déjà faire cuire ça. F. Après le problème de mon poulet c'est qu'il faut quand même pas mal de blé hein, avant. Ouais, il me faudra déjà une graine. Hein. Donc, il faudra quand même que j'ai déjà le combustion engine mes couilles. Hein. En même temps, en fait, même avant tout ça, il me faudra aussi que j'ai du fer. Hein. Pour le dead brush, non? Ah non, le dead brush, non, on a dit pas de fer. Pas de fer, j'en ai. Donc, en fait, non, je pourrais déjà le faire, ouais. Elle est vachement rapide l'épée pour taper. Trop bien. Ouh, plusieurs bagues. Go! Alors, qu'est-ce qu'on a? Trop bien. J'ai eu deux trucs. C'est trop bien. Oh je peux faire jukebox. Oh. 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 Voilà. Je l'ai eu en cheatant. Enfin je l'ai eu en cheatant. J'ai eu par chat. Les gars, je suis joueur. Je suis joueur. Par contre attends. À tout moment, le CD je le récupère pas. On va éviter de faire les cons. Voilà. Alors. Oh! C'est bien.
secours. Au secours, mes oreilles. Rip la VOD. Ah ouais, je pense que là la VOD on va cut. Et attends, c'est laquelle celle-là? Ah c'est celle-ci. Elle y ressemble un peu. Et Botania, je sais pas. Je sais pas. Non, y'a ça hein. Plus chill. Je suis sûr, c'est... Attends, par contre, je suis sûr, c'est même pas libre de droit en vrai. On déconne. Enfin bref, on a eu le petit jukebox. Il fait qu'il n'y a pas d'araignée dans les coins. Putain, attends, il y a full meuble bas. Il y a full meuble. Non, les araignées, de toute façon, je verrai sur la map si jamais il y en avait Wolf Knight. Je suis pas sûr qu'on a plein de mobs comme ça. Parce que là c'est pareil, je me prends une flèche, je suis un peu dans la merde, hein. Je tombe dans le vide. Hein. C'est pour ça que j'aime pas les squelettes là. C'est trop casse-couille à tuer ça. Ah! Je vais mourir! Secours! Ah, on sait jamais hein. Moi j'ai des musiques qui étaient libres de droit encore il y a quelques jours là qui sont flag maintenant. Putain, c'est trop chiant quoi. Toutes les rediffs qui se sont fait flag là à cause d'une musique de mort. Bon, ça par avoir des os. Je sais pas ce que tu fais d'autre avec mais. Et ouais, regardez, on commence à avoir pas mal de loot en vrai. Hein. Parce que là la gunpowder, les gars, croyez-moi. Il y a les EFLN. Trop bien. Ah, c'est avec ça que tu fais les cartouches aussi. Trop bien. Avec la gunpowder, ça sert pas mal pour faire pas mal de choses. Là, ça sert à faire tous les components. Déjà. Qui vont servir à faire plein de choses. Et je crois qu'aussi, on en aura besoin pour faire de la blaze powder. Faire de la redstone. Et du primus, le chemic dust. Ça, en fait, en gros, ça te permet de booster le catalyse qui fait qu'avec un même matériau de base, tu choperas plusieurs matériaux à la suite. Enfin en gros t'as 1,75%, enfin t'as 75% de chance d'avoir un truc en plus quoi, concrètement. On va dire ça. Fait 75% de plus de choses avec. Mais la base powder c'est pareil, la base powder va servir à tout en fait. Ça va faire la redstone, la netherrack, la glowstone, le primus. Et c'est pour ça que faut farmer très vite les mobs. C'est pour ça que farmer très vite les mobs, c'est très important. Et avec les autres, fait des graines. Hein. C'est pas la grâce en fait. Et les graines, croyez-moi, c'était pas un problème à faire en fait. Hein. Les graines, c'est vraiment très très simple à faire. Ah! 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 C'est pour ça que c'est mieux d'excavate les feuilles avant. C'est pour éviter ce genre de soucis. Pef! Pef! Ça me consomme tellement de bouffe d'excavate! Au secours! Il va falloir chasser des trucs de nourriture. Hein. Là, il va falloir chasser des trucs de nourriture. Ah, j'ai pas pris ma récompense. Merde. Le skin est claquos. Alors en fait pour ceux qui savent pas ce que c'est le Dominic Assembler, c'est quelque chose qui fait tout en fait. C'est un outil qui fait tout. Et c'est fat. Il y a tous mes mobs qui ont despawn, hein. Chiant. Et c'est très très fat. Hein. Bon c'est plus spawnable, Mais j'ai pas d'énergie en fait. Bordel mais t'as luck. J'entends pas les rageux. Attends, je vais check quand même ce que je peux faire en pomme. Avant d'avoir les patates. Je sais pas comment on a les patates, ou sinon je rush les patates.
me dis que j'aurais pas besoin de mes trucs de pommes. Sinon je bouffe les pommes comme ça. Parce qu'en vrai en pomme, ce qui peut être sympa à faire, vous voyez, c'est petite comme ça, elle peut être juice what, mais ça donne à rien. Ça donne à rien. Sinon t'as la apple sauce quoi. T'as la apple sauce ou t'as la fruit salade, mais les deux donnent pareil, sauf qu'il y en a une qui consomme plus de trucs. Deuxième loot après mon lance flamme, nice. Qu'est-ce que vous voulez faire? Combien les pommes nature? Un demi gigot, un demi de saturation, bon, c'est un peu de la merde quand même. Je vais voir pour avoir les potatoes. Potatoes! Comment on a des potatoes? On va vraiment faire du mana? Ou alors? Mais non, mais je suis trop con. Je farm du zombie. Je farm du zombie, t'as bien une patate qui a drop à un moment. En fait, c'est vrai que j'ai peur du même griffing, mais normalement, vu que c'est claim, les creepers ne pètent pas ma base. Ça va bon. Elle a droppé une patate, les gars, là. Très sympa. J'ai eu quoi? Non, c'est pas ma qualité. Le même griffing marche pas. Dans quel sens? Genre, ça nique pas ta base? Ou dans le sens, ça nique ta base? Ah, attends, parce que ça peut spawner là-dessus aussi. On va faire ce qu'on va torcher, comme ça on va mieux voir déjà. Ce sera plus agréable d'avoir des torches un peu partout. Je vais mettre une petite torche aussi dans l'arbre. Ouf! Voilà, comme ça on verra mieux un petit peu la nuit quand même chez nous. Après j'ai les graines de patate, non, vous emmerdez pas. Je vais me débrouiller comme dit Blacky. J'ai un méga loot The Punisher, hein. Putain la chatte! Chatte la chatte. Bon, là ce qu'il nous faut vraiment, concrètement, pour vraiment commencer le commencement, c'est wooden casing, wooden commissionator et un bouton. C'est vraiment ce qu'il nous faut, donc wooden casing. Donc c'est ni plus ni moins que du bois avec un wooden gear. Donc, en gros, c'est des bûches avec un wooden. Je crois que c'est des bûches, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, ça c'est wooden casing. Enfin, un wooden eater. Commission Eater, alors après t'as les Hit Providers qui sont différents. Je sais plus ce que ça fait l'un ou l'autre, je sais plus à quoi ils servent. C'est. Moi bon, je verrai, de toute façon je verrai pour la suite. Je verrai par la suite dans les quêtes. Hein. Je verrai avec les quêtes. Hein. Il va falloir un petit bouton. Alors comment qu'on pose ça déjà? Je sais que c'est que ça comme ça. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait quelque chose au tournant. Oh, ça me perturbe que ce soit haut en vrai. Attends, peut-être baisser ça. Peut-être le baisser et le mettre genre. Genre bas. Normalement, faut qu'il y ait un multi-bloc hein, autour. Les multi-blocs dépendent des blocs que tu utilises toi en fait. Voilà. Je me souviens bien. Et après en fait t'auras des trappes ou même des droppers qui permettront de dropper dedans pour être tranquille. Et puis si le bouton t'es obligé de le mettre dessus, si tu peux le mettre sur les côtés. Et je sais pas s'il faut forcément un bloc plein en dessous. Sans doute on va mettre un bloc plein parce que ça fait moche. Faire une cale au-dessus du truc. On est d'accord, en fait normalement c'est les blocs que tu droppes dedans en fait.
En gros, tu fais un bloc vide entouré de blocs. Je crois que tu peux mettre une trappe d'or. Je crois que si tu mets une trappe d'or, le multibloc est confirmé. Enfin, il est ok. Multibloc note confirme. Ou alors, faut justement. Je sais plus comment. Un veil multibloc. Oui, il met un valide multibloc alors qu'il marche très bien et que j'ai rien retiré. Au-dessus, il a pas son bloc. Au-dessus, la trappe. Toujours invalide en fait. C'est ce bloc-là qui merde. Avec la trappe fermée en effet. Ok, c'est bel et bien ça. C'est bel et bien la trappe fermée, tant pour moi. Et quand tu l'ouvres, c'est pas. Et par contre, je crois qu'en fait, justement, on s'est plus confirmé, c'est niqué. Ok, donc si c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Ok. Et normalement là-dedans, genre tu mets du charcoal, ça augmente la puissance et après tu peux faire. Quand tu drops des items au-dessus, tu fais péter, ça te fait des trucs. Je vais faire un exemple. Par exemple, pour faire de la dirt. Hein. Alors je sais plus c'est combien la dirt. La dirt c'est 4 de dirt. Par exemple faire 4 de dirt, va falloir que je monte à fond là dedans. Voilà comme ça. Sachant que j'ai une réserve en plus ici de charcoal. Et si jamais je fais ça, je fais ça, j'ai un dirt. Et vous voyez ça m'a consommé mes 100, parce que ça baissait un petit peu la barre. Et je peux refaire de la dirt en fait encore. Ok. Et voir ce que je peux faire, je peux faire du charbon. Avec du coal, avec du charcoal déjà. Et avec la gunpowder, je fais de la base powder. Mais en fait, alors ça, par exemple, vous voyez là ici, il y a écrit 170 de HU. Ça veut dire quoi en fait? C'est de la puissance du truc. Là, je suis qu'à 100. Pourquoi? Parce que j'ai de la merde. C'est. J'ai un casing en bois. Je crois que c'est le casing qui gère le HU. Hein. C'est ça, max HU 100. Si je fais en stone, j'ai 600, etc. 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 Après, bon, le nether, je crois que le nether brick il est très 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 haut. Parce que les trucs sont très 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 hauts. Mais en même temps, le nether brick, quand tu regardes l'efficiency, elle est merdique. Alors même la stone est mieux quoi. Donc voilà, il y a plein de stats à savoir. Et voilà. Et du coup pour l'instant je peux faire que les trucs à 100 ou moins. C'est à dire base powder. Les graines. Je peux faire des graines. Je peux faire du blé. Là, si je veux j'ai du blé, je peux faire du pain, je peux faire plein de trucs. La dirt. De pas grand chose d'autant vrai. Je pense que là le reste ça m'étonnerait que ce soit à 100 ou moins. Et voilà. Et là, si je veux, je peux faire une gun. À tout moment. Alors, je sais pas comment ça servira la gun d'ailleurs. Je sais pas pourquoi les gens ils veulent faire des graines en fait. Ah, si, pour faire de la dirt. Enfin, pour faire de la grâce, c'est vrai. Ah, si, puis avec la graine, je peux avoir du blé. Et avec du blé, je peux avoir du poulet. Et avec du poulet, ça fait du slip. Parce que j'ai full grâce, du coup, j'ai full dirt. Hein. Ah, si, c'est ça que je voulais faire. Si, donc il me faut une graine. Il me faut bel et bien une graine. Donc, pour ça, il va me falloir. Drying rack là. Que je les ai mis. On va faire, c'est qu'on va les mettre genre là. Voilà, en mode dégueulasse. Je vais mettre des saplings dessus. Moi je vais mettre une sapling. Et je sais plus combien de temps ça prend. De toute façon, on voit le pourcentage. Je pense que ça va être 2-3 minutes, un truc comme ça. Voilà. Ok. Bon. Ça fait quoi? C'est 2 heures de live là, déjà? Peut-être l'heure d'une petite page pub, ça. On reconnaît? Peut-être l'heure de la page pub. Je vous mets deux petites minutes de pub les amis. Histoire de. Hop. Salut DK, comment vas-tu? Histoire de. Putain mes arbres ils grandissent pas, hein. C'est un peu le dash. On va aller farmer du mob. Cannibale.
Yes. J'y pense. J'ai quoi comme minerai actuellement? Ah, pire, soit avec le zinc, je me refais une zinc sword. Hein. Du coup, même pas dégueulasse. En vrai, elle est utile, hein. La zinc sword, elle est pas, non. Avec le zinc que j'ai chopé, en vrai, je fais une zinc sword. Hein. Je pense que je vais le refaire. Je peux pas faire matériau. Et Tinker, je peux pas faire truc de zinc. Hein. Donc bon. Ça va nickel, les gars. Ça va nickel. Hein. Alors, on va aller là-bas. On va aller looter ça. On va aller looter tout ça. Ah oui, dans NEI, je crois que c'est marqué Shell pour le truc. Touk. Il faudra un coffre bloc. Faire un chest pour les blocs. D'ailleurs, peut-être le mettre ici au-dessus du coffre à bordel. On va faire ça. Les blocs, c'est un peu bordélique quand même. Comme ça, je pense que là-dedans, je vais mettre les trucs archaïques là, chelou. Là. Mettre la clé aussi. Hop. Voilà. Ah, plus simple. Bloquer bois. Ça sert à rien, zinc, de toute façon. Ouais, c'est pour ça. Enfin, ça sert pour différents trucs de nuclear craft, surtout. Ah, ça sert aussi pour tes Creeborn. Mais parce que tes Creeborn, j'en avais besoin plus tard. Mais bon. J'aurais sûrement moyen d'en refaire, de toute façon, d'ici là. Ouais, le zinc. Ouais. Okay. J'aurais bien un moyen d'en faire. Puis, ça coûte rien à faire. C'est du blé et de la gunpowder, donc c'est des merdes. C'est Peter, comment as-tu depuis le temps? Comment as-tu? Et merci Deka pour le follow. Merci à Superman Zarif, merci à Ware, merci à Dark Pika, merci à Matt, merci à Zach Chevy. Bienvenue à vous. Bienvenue, merci pour les follow. Normalement d'ailleurs on a passé les 19 000 là. Yes. Oh. Je sais pas s'il y a des gens qui font des abeilles. Je sais pas si c'est une bonne abeille. Bah écoute, je chope des trucs, ça me va. Hein. Franchement, moi ça me va. Hein. Pas difficile. Hein. Le marathon de 19K. Alors oui et non, c'est ce que je disais justement en fait. C'est que le marathon, je pense en tout, je le ferai une fois que je serai, j'aurai déménagé. Donc d'ici un mois et demi. Je pense que je le ferai surtout qu'une fois que j'aurai déménagé en vrai. Ça sera mieux. Je serai dans meilleures conditions et tout pour faire le marathon, ça sera plus simple en vrai. Donc on voit ça. Il y aura le marathon, il y aura un marathon 24h. En fait, il y aura un marathon 24h, mais ça sera quand j'aurai déménagé. Donc courant juillet quoi. Ce sera les vacances comme ça. Donc ça sera mieux. Ce sera mieux pour tout le monde en vrai. Hop. On va faire du charcoal. F. Et avec la plante matin du coup tu fais quoi d'autre? Tu fais ça. Alors c'est ça aussi qu'il faudra après. Le cactus déshydraté. Qui se fait avec de la bonne bloc et du colorant. Ah putain, faudra faire du poulpe du coup. Ça. On va faire un truc à poulpe avec la flotte. On va chercher une cascade. Faudra que je descende pour faire une cascade. Je crois que je suis trop haut. On va chercher une chute d'eau avec un spot en bas pour récupérer de la enfin, pour récupérer des poulpes. Je les ferai atterrir dans. Sur du bois quoi. Je sais plus comment tu fais un truc. Est-ce que si tu laisses juste couler de l'eau, une chute d'eau avec un petit bac de bois, enfin un petit bac de bloc en bas, ça suffit. Prendre un appart, oui. On peut mettre Project aux zone 4, bof. Trop lourd déjà je pense. Et j'ai envie de faire ce mode pack là donc je fais ce mode pack là. Oh, simplement. Yeah. Merci beaucoup Deka pour ton sub. Et Twitch Prime, merci beaucoup, bienvenue à toi. Bienvenue. Ah bah Pyris. Yeah. Alors. Voilà. Putain. Trop bien. Et du coup, Deka, si jamais tu souhaites rejoindre le serveur, tu es ouvert au sub, faut que tu rejoignes mon Discord. Et que simplement tu connectes ton compte Twitch et ton compte Discord. Et après, tu auras accès aux différents channels avec toutes les informations, l'IP, tout ça pour la whitelist, etc. 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 Et merci, Donis Gamer, pour le follow. Salut, les gamers. Bienvenue à toi. Hop. Alors ce soir d'ailleurs il y a peut-être un live en fait en finale parce que j'avais dit que je sais pas s'il y a le live mais s'il y a le lundi pipi en vrai je liverai ce soir hein.
pense. S'il y a le tout du lundi pipi. Bon, qu'est-ce que je faisais tout à l'heure? Je faisais de quoi faire. Ah, mais j'ai pas de flint. Faut du flint en fait, mais j'ai pas de flint. Comment je chope du flint? Ah, du gravier, vous allez me dire. Yes. Ah, il me faut un rock grinder. Ah, mais putain, mais. Il faut du caillou. Il faut du caillou tous. Ah, oui, c'est vrai qu'à l'époque, t'avais ça. Si avec ça, les différentes choses, t'avais des pourcentages de chance après d'avoir les minerais. Et ensuite, fallait passer dans de la flotte. Hein. Dans un chaudron. Et c'est pour ça qu'avant, tu mettais fortune là-dessus. Mais c'était pas pour tous les minerais. Et lundi pipi. En fait, en gros, maintenant, les lundi pipi, apparemment, se font le samedi soir et c'est en record quoi. Enfin, en fait, en gros, c'est en live samedi soir et du coup, après, tu sors ça le lundi. Enfin, j'ai pas trop compris. Donc bon. Quoi. Ouais. Je sais pas, en fait, j'aime pas ce soir. J'ai envoyé un SMS avec Pierre du coup. Il y a un truc prévu ce soir. Votre colis Amazon contenant. Livré. Okay. J'ai commandé un nouvel écran. J'ai reçu mon nouvel écran, mais j'ai pas de câble. Pire. Du coup, voir un truc. Craft. Hop. Est-il du Factorio jeudi soir? Nope! Nope, il n'y avait pas Pierre, il n'y avait pas. En fait, il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui était à dispo. Azo, il avait de la famille. Pierre et Aurélien, ils étaient en. À Stockholm. Donc, non. Putain, mais c'est qu'il y a full mob là. Et mon épée va casser en fait. Au pire, je tape avec celle en bois, hein, c'est pas grave. Faut juste que j'en fasse une en 5. Hein. Chiant. De merde. C'est pour ça que c'est bien de faire de large, hein. C'est qu'au moins. Tu peux quand même taper avec un truc cassé. Ah, parce que c'est Silent Gem. Hein. Bon, on va taper avec les plombs quand même. Et ouais, c'est pour ça qu'en fait c'est bien de faire de large parce que tu peux récupérer les items peu importe où ils sont. Ils sont jamais coincés en fait. Même s'ils sont au milieu, tu peux les récupérer. Ils sont rarement au milieu, toi, donc. Hop, j'ai pas eu de loot bag sur tout ça. Yeah. Comment ça? Merci beaucoup, Alphas. Merci beaucoup pour ton sub. Bienvenue à toi. Bienvenue. Comment vas-tu? Donc, pareil, si jamais tu veux rejoindre le serveur, ou tu rejoins mon serveur Discord. Si tu veux sur le serveur, tu link ton compte Twitch et ton compte Discord. Et comme ça, tu auras accès à toutes les informations afin de rejoindre le serveur. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont mis leur pseudo pour être whitelisté. Non, pas encore. Pas encore. Merci, salut. Bah, c'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie. Et tu peux les réparer, ça, les Zinc Sword après ou pas? Une idée. De toute façon, comme on a dit, le Zinc, c'est de la merde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recrafter une petite épée. F. Alors, et du coup, c'est pas mieux d'upgrade. Enfin, de booster l'épée de Tinker. Le truc, c'est que là, pour l'instant, elle est en bois. Puis à chaque fois il faudrait que j'arrive à parler à tout ça. Si ça serait pas déconnant de la booster en vrai, mais bon, quand t'as 15 mobs, c'est moins chiant de taper avec un truc qui fait. Quoique en vrai, ça fait combien? Ça fait 5 ça? 5,5 quand même. Pardon, que le recrafter. Ah, tu penses j'aurais pu réparer avec du zinc? Je sais pas comment ça fonctionne le réparage avec ça. Je sais pas si tu peux réparer vu que c'est un truc de Silent Gem. Je sais pas comment ça fonctionne pour le coup. C'est pour ça que j'ai rien touché. J'aimerais bien. Ah, mais attendez, je voulais voir loot bag. Parce que normalement, dans les loot bag, tu peux voir ce que tu peux choper. Dans les legendary, en gros, on peut avoir tout ça, les amis. Donc, tu peux avoir. Ah, quoi que ça a été un peu nerf, non? Moi, ça a été nerf. Vous pouvez pas avoir des trucs de bâtard avant? Genre. Alors, ça, c'est très bien. Ça permet de voler. C'est très très fort. Tant que t'as des plumes sur toi, tu peux voler. Non, ça a été vachement nerf en fait, attends. Ou alors, y'a pas tout qui est affiché, c'est bugué. Non, c'est clairement pas tout qui est affiché. Ouais, c'est ça, en fait, y'a plusieurs pages. Non, mais attends, dans le common tu vas avoir du truc en diamant. Alors que dans le legendary, t'as de la grosse merde. La merde. Je pense qu'il y a pas tout qui est affiché, c'est un peu bugué, je pense. Genre. Enfin, quand tu vois, en fait, quand tu vois ce que t'as dans les trucs de base, legendary c'est de la chiasse. Allez!
Ah, c'est le loot bag, je le DM ça. Ah, nice. Ah, oh, bah tiens, loot bag. Oh, il a une épée lui. Oh, bah il a pas drop. T'as la torche, le torche Shurino là. C'est quoi hein? Les fusionnés pour augmenter la rareté normalement. Alors, c'est pas vraiment comme ça fonctionne. Enfin, plus ou moins. En fait, en gros, t'as le loot bag. Il est où? Le loot recycleur. Alors, je sais pas si c'est le loot recycleur. Non, le loot recycleur il te prend des items pour te confectionner des loot bags. Et t'as le loot. Peut-être bag. Peut-être juste bag. Bag quelque chose. Voilà. Bag storage. Et en fait, là-dedans, tu peux entreposer tous tes loot bags. Parce que lui, il va te donner 1 point. Il va te donner 4, 16, 64, etc. etc. 256. Bref, vous avez compris. Donc, en gros, imaginons que tu mettes 4 legendary bags dedans, t'auras 1026 points. 1024. Alors si tu mets 4 trucs comme ça, t'auras 4 points. Et en fait avec ces 1024 points par exemple, tu vas pouvoir ressortir je ne sais combien d'épic loot bag. Tu vas pouvoir ressortir 1024 common loot bag si tu veux, tu vois. Et après t'as le bag opener aussi où tu, dedans tu mets tes loot bag et ça ouvre tout seul pour toi. Donc voilà, donc après tu fais les systèmes en fait pour ressortir enfin, en fait tu peux faire soit une ferme qui fait qu'après tes loot bags arrivent dans des bags opener. Et après t'as tous tes items qui sont filtrés, tes minerais tu les gardes, le reste tu le jettes, etc, etc. Soit t'entreposes tout là-dedans et après à la mano tu sors ce que tu veux. Parce que après tu peux sortir aussi des artefacts, artefacts qui coûtent très cher. Mais c'est un peu de la merde ce que t'as dedans. C'est à voir en fait. Back souvenir de ton live sur The Skyblock 2. Sur Modern Skyblock 2 ou sur Stone... Ah oui, sur ouais, Modern Skyblock 2 aussi. Mais justement, moi aussi j'ai des petits souvenirs, c'est cool, tu vois. Après, il y avait ça sur Stoneblock. Ferrous Juniper Sapling. Gigapi. Attendez. Attendez, parce que je commence à avoir tout n'importe quoi là. Ok. Glowing Water. Merde, il manque un pain. Putain. Alors, ça on va regarder précieusement. D'ailleurs, il manque un pain, mais comment ça le pain tu le craftes avec de la pâte? Tu vois? On peut pas faire du pain avec du blé. Genre c'est forcément la carotte. Non. Coûte de merde. Mon cul quand même si tard là. Bon, en fait, j'ai toujours pas de fin pour moi. Il clôt au spawn. Ouais. Ouais. On pourrait, hein. On pourrait. Non, déjà, ce que je vais faire, c'est que pour la boue, je vais me faire mon truc. Là. Je charme mon pot. J'ai de l'argile, je charme mon pot. Ah, j'aurais peut-être faire du tiny charcoal d'ailleurs moi pour cuire. Peut-être moins chiant. On va faire ça. Bon, du tiny charcoal pour cuire. Alors après, est-ce que le tiny charcoal je peux le remettre en charcoal? Comme ça, moi celui-là je le garde. Précieusement. On va le foutre là-dedans, voilà. Hop. Alors après, faut que j'aille utiliser ça. Hein, là, mes ferrous, mes couilles là, j'allais l'utiliser. Du coup, les virus. Je sais pas quoi ça sert. Sérieux, Tom Eric? Ah, rip. Rip. Et au moins, avec ça, je peux faire des. Déjà, je peux faire de l'apple sauce. Alors, je vous ferai de l'apple sauce, hein. Hein?
Non mais attends, non, si c'est normal ça. Mais par contre pourquoi je me suis fait carotte? J'avais 3 pommes, j'avais plein de pommes, j'avais pas qu'une pomme tout à l'heure. Je fais niquer des pommes. Hein? Bon je suis fou. Oh. Je sais pas. Pourquoi je me suis fait carotte des pommes? Hop. On va laisser ça maintenant. C'est de la merde mais on va laisser ça. Bravo. Faut d'avoir mieux de toute façon. On est combien sur le savoir? Je sais pas. Ah d'ailleurs attendez, je vais forcer l'intégration sur mon Discord parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes du coup avec les nouveaux subs qui vont vouloir connecter leur compte. Voilà. Normalement il y a personne qui ont sub récemment, voudrait avoir accès aux informations. Donc c'est dans le en gros c'est dans le channel Skyblock. Donc dans Info Skyblock vous avez différents trucs, différentes informations. Dans Skyblock Whitelist vous mettez vos pseudos. Et comme ça on peut vous whitelister tranquillou. Mais j'ai pas mis de sapling là-bas. Non, bah tu sais quoi, on va tester cette sapling là. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça fait. Oh, c'est ni plus ni moins qu'un arbre classico. Il se casse très très vite. Hein. C'est de la merde. Qu'on se dit, c'est de la merde. Allez. Hein. Ah putain, fais chier. Salut madame, ça va nickel et toi? T'as un autre skyblock en 1.14? Non, non, c'est pas du tout en 1.14. En 1.14, il y a zéro mode. Hein. Crois-moi qu'en 1.14, t'as rien. Hein. Et voilà, c'est ce qu'a mis Blacky dans le chat. Hein. Les commandes. Hop. Non, 1.13, de toute façon, en même temps, ils vont rien faire à 1.13, je pense. Hein. Est-ce que ça marche de faire ça à côté de quelque chose que t'as planté? Oui, ça marche. C'est de la merde les gigapickles. Je m'attendais à un truc de bâtard moi. De la grosse merde. Je m'attendais à un truc qui donne full item ou je sais pas trop quoi. Enfin, 1.13 est sorti, 1.12 même. 1.13.2. Ouais, mais est-ce qu'il y a vraiment des mecs qui dev dessus? Il y a vraiment des mecs qui ont fait des mobs dessus. Pourquoi j'ai un farmland là-dedans? Les cornissons, qu'est-ce que tu t'attendais? Mais non, mais moi je pensais que c'était le Raiko magique, tu sais. Je me suis fait bait. Dans ma tête, je pensais que c'était ça en fait, pour ça. Les rats de Powerhead, on peut en faire quelque chose ou pas? Absolument rien, on va acheter. Je sens rien que je m'en compte de trucs useless. Hein. Ça a rien. Alors. Minecraft. Ah putain, et c'est vrai qu'après pour faire de la lave, c'est de la merde. Oh, puis attends, parce que la lave en vrai, avec le bois, ça va cramer, non? Ça va être cramé, non, avec la lave? Avec le bois. En fait, il faudrait que je farme très vite de la cobble, quoi. Je sais pas s'il y a un cobblestone generator. Putain, le fameux tin useless là. Vous savez le tin useless du cul? Bah si je l'avais gardé, eh ben j'aurais un putain de truc générateur. Ah ben non, j'ai pas de sous, j'ai rien dit. Oh, j'ai le temps de récupérer du tin ici là du coup. Ah non mais attends, mais c'est pas du tin, c'est du zinc. Non mais je dis n'importe quoi, non mais écoutez pas ce que je dis, c'est... Non. Faites pas attention. Merci Nicolas pour le follow, bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Crochibal. Hein. Pour la lave, non, y'a pas. Enfin, c'est pas comme ça en tout cas. Si, y'a un crochibal, mais c'est pas comme ça. Et non, c'est même pas. Le crochibal servira pas à ça, il servira à faire autre chose. Enfin, si, il peut servir à faire ça. Mais en fait, en gros, le base powder block, tu mets en dessous. Enfin, tu mets une torche en dessous et ça le transforme en lave à tout moment quoi. Ça peut prendre 10 minutes, ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 30 secondes, c'est. Donc walouf. Alors, il va falloir 3 gunpowder. Hein. Sauf que le problème, c'est que si je mets 3 gunpowder en même temps, ça va jamais marcher, donc il faudrait les faire une par une. Hein. Bif! Merde.
Bah il m'en fallait moins. Il m'en fallait moins. Hop. Merci Aerofire pour le follow bien à toi. Oh, c'est cool hein, mais je veux bien hein. Pas de gaz moi hein. Il y a 50 milliards de récompenses différentes dans les Witches, j'en ai chopé quand même deux fois la même hein. Ouh, petit command de bail hein. On va aller prendre ça. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des trucs useless. Des trucs useless. Hop, les sorcières de glace à la rescousse. Pourquoi hein? Par rapport à quoi hein? Bon, on sait qu'il y a des trucs useless, hein, on sait jamais. Alors, est-ce que je fais ma lave dans 5 d'odeur pour éviter de tout cramer? Ou est-ce que je m'en bats les couilles? Mais non, attendez. J'ai un bloc magique, moi. Force de péter des golems, là. On va grandir par là déjà. On va faire ça. On va prendre du bois là. Mais j'ai full bois sur moi même. On va faire des slabs. On va grandir par là-bas là. On va full agrandir. Alors après, non, ça me ferait chier d'agrandir la plateforme là parce que ça vaudrait rien dire en fait. Non, je peux faire ça. Un peu con d'agrandir derrière les coffres quoi. T'as des tinkers, ne brûle pas de mémoire ça. Ouais, mais le reste dans la base, j'ai des doutes, moi. J'ai des doutes. Hein. De toute façon, après, on fera quelque chose de propre plus tard. Après, on déménagera tout sur quelque chose de propre quoi. On mettra des vrais blocs, on mettra pas sur la dalle. Y'a pas de wand pour t'aider à build. Tu sais qu'en vrai, attends, Nightbot il est sub ou pas? Je sais pas si Nightbot il peut utiliser les emotes, non. J'aurais dû mettre les emotes wand dedans. Donc attendez, si jamais je fais des Z-Ender dans Legendary Loot. Quoi? Bon, c'est Z-Ender. Oh, oh yeah. C'est un petit écart, Mina Zidan. Question après un mois, lol. Merci beaucoup, Arcana. Autant les subs. Merci beaucoup. Comment as-tu? Eh oui, ça va, oui, remis de la Zidane, tranquillou. Tranquillou. Merci beaucoup à toi. Alors d'ailleurs, question con. Là, la lave, si ça devient une lave là, est-ce que ça se spread sur les blocs? Ça coule. Ah, attends, parce qu'en vrai, je fais ça là, mais. Pire bail ever. Faut pas du tout que je fasse ça comme ça. Pourquoi faut pas que je fasse comme ça? Parce qu'en fait, autant que je prépare déjà là où je vais faire mon truc pour miner. Mon truc pour miner, je vais le faire là-dedans. Là. On va le faire par là, mon truc pour miner. Donc, ce que je vais faire, en fait, il faut que je fasse une source d'eau. Enfin, il faut que je fasse un truc. Vous avez compris, c'est pas chiant. Pour la cobble. En gros, ici, c'est là où j'ai mis la cobble. Alors, je sais plus comment ça se passe. Faut que ce soit quoi? C'est faut qu'il y ait la. Faut que ce soit l'eau qui tombe et la lave qui vienne contre l'eau. Ou soit que la lave qui tombe et l'eau qui vienne contre la lave. Enfin, la lave qui vienne contre l'eau, autant. Dans quel sens? Je crois que c'est l'eau qui tombe. Et la lave qui vient couler ce truc. Donc en gros. Moi ce serait débile pour accéder au coffre. Il serait tombé dans l'autre sens en fait. Enfin je sais pas, non mais au pire j'agrandirais, je ferai d'autres trucs derrière en pire, hein. C'est pas grave. En vrai c'est vrai que c'est pas si gênant que ça mais. Ah Z-Ender c'est l'épée, ok. Donc en gros par exemple là j'ai l'eau qui tombe là et là j'ai la lave qui arrive et je mine ici, c'est ça? Lave sur un bloc et coule sur un bloc et l'eau sur un bloc et coule sur deux blocs.
Donc l'eau ici qui coule, qui tombe. Lave ici qui coule, qui c'est qui cobble. Donc ici, source de flotte. Ici, source de lave. Par exemple là. Ah oui, c'est vrai que c'est en hauteur. Comment ça, tu l'as? J'ai pu être là pour le vetcher, mais je join demain ou lundi. Ça roule, Timouf. Merci beaucoup pour les 100 vite. Hein. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Comme j'ai dit, de toute façon, c'est pas une course. Hein. C'est pas qui aura le premier réacteur draconique, évolution, etc. etc. Hein. C'est clairement pas une course, les amis. Soyez pas pressés. Ça a rien d'être pressé de toute façon. Un de plus pour l'eau, ce serait mieux. Non, normalement, il n'y a pas de souci. Là, si la lave touche la flotte ici, c'est bon. Non? Eh, au pire, ça fail, ça fail. Hein. Faut dire. Tiens, ça merde, hein.